Salut à toutes et à tous et bienvenue pour les jours du dimanche. J'espère que vous allez bien pour cette émission LJD+. Je suis avec Rofelos. Comment ça va, Rofelos? Ça va très bien. En plus, hein, LJD+, on a fait plusieurs jeux qui ont duré à peu près 5 heures. Alors, ça marche pas? Parle. Ah oui, ça a pas mal marché. Tu étais mute? 4. Non, je suis pas mute. T'es allumé? Je suis allumé, pas mute. Ah, ok. Ah bah là. T'es sûr que t'as allumé le 4? Ouais, non, c'est bon. 1-1-1. Ah, ah. Je c'est, disais donc. C'est ma faute, hein. J'essaie de penser à tout, mais il y a à chaque fois un petit trou dans la raquette. Sache hein. que je ne t'en tiens pas rigueur. En tout cas, j'étais en train de dire que ça va très bien, que j'étais content d'être là pour les LJD+. Et en plus, une fois n'est pas coutume, parce qu'on n'arrête pas de faire des jeux de 5 heures dans cette émission, et bien là, on va faire un jeu qui, donc, non, on va être plus rapide et qui, en plus, est un jeu de cartes. Et moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes. Voilà. Eh bien, effectivement, puisque vous l'avez demandé, vous étiez genre 75% des gens qui demandaient une partie de Radlands. Eh bien, c'est ce qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, Radlands, vous voyez, la boîte est ici. Alors ça, c'est la version deluxe de La Mort qui tue, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez les deux tapis, plus l'édition collector avec les decks qui sont rangés dedans, les cartes en plastique. Ouais. Quel plaisir. C'est pour ça qu'elles ne sont pas sleevées. Hop là, elles se mélangent très bien en plastique et elles sont, selon l'éditeur, incassables. C'est donc pour ça que je vais déchirer. Non mais c'est vrai qu'elles sont... On sent que c'est de la bonne qualité. Elles sont même lourdes. Le deck... Et ouais, c'est, plomb, c'est en fait c'est de la carte plastique de quand tu joues au poker, tu vois. Ouais, effectivement, la qualité est insane. Et en vrai, l'édition, elle est irréprochable. C'est-à-dire les tapis, ils sont beaux. Il y a les emplacements, pas. Tout est clair. Les règles, elles sont très bien. Les règles, trous, je crois que les règles elles sont très bien. Elles se glissent derrière là comme ça. Chut, hop là, on la refoute. Donc en fait, en gros, vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour aller en voyage. Enfin, vous pouvez très bien vous passer de tapis et juste prendre ce truc-là. Ouais. Mais c'est vrai que le tapis est quand même pratique parce que les zones sont quand même un peu... On a les petits jetons qui sont fort agréables à manipuler, qui sont juste assez légers, juste assez lourds. Enfin, vraiment... Au niveau édition, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Ouais, l'édition, c'est... En tout cas, pour cette version de luxe, oui. C'est assez irréprochable. Et on apprécie, sachez-le, on apprécie fort... Tout à fait. Je suis quand même obligé de dire... On dit les termes dans cette émission. Je suis quand même obligé de dire que malgré cette édition irréprochable à 95%, nous aurions apprécié que... Parce que les cartes, en plus, sont format standard. Donc oui, vraiment... on peut les sliver sur non, vraiment, et tout puis va bien. Même, on aime bien ça. Sauf que, si vous souhaitez ranger le jeu dans sa boîte d'origine, ce qui me semble être cool parce qu'elle est magnifique en plus. C'est vrai, c'est propre. Eh bien, sachez que les cartes slivées ne rentreront pas dedans puisque... le paquet rentre tout pile comme ceci. Et donc, si vous slivez, ça ne rentre plus. Et ça... Moi, d'habitude, je ne tolère pas. Mais là, je tolère parce que c'est mais vrai attends, que ces cartes... Quoi pourquoi ça ne rentre pas? Parce qu'en vrai, si tu divises en deux... Non, mais ça ne rentre pas sur les côtés. Ah oui, c'est pas la profondeur le problème. C'est pas la profondeur, c'est le fait c'est, que... C'est la largeur. C'est fait exprès pour pas que ça bouge, mais du coup, quand tu les sleeves, bah, t'es un peu baisé. Ceci dit, c'est vrai que pour y avoir joué, on n'a pas fait non plus 1000 parties, on a dû faire peut-être 3-4 parties. Et c'est vrai qu'on sent qu'elle ne s'abîme pas. Donc j'imagine qu'au bout d'un moment, ça doit quand même. Je parle uniquement marquer, de confort de mélange et, et donc de. Et c'est vrai que pour le coup, il faut faire des riffle shuffle, il faut faire donc ce petit. Ces trucs comme ça. Parce que sinon, oui, tu peux pas. Mais tu peux pas moi, les... je sais le faire. Regarde, moi, je suis pas croupier, tu vois. Est-ce que j'y arrive, tu vois. Fais-le pas comme ça, fais-le comme ça. Tu prends les deux coins et tu fais ça. Ah bon, c'est la base. Vas-y. Échec de la quête. Ah ouais, après, t'as un paquet plus petit que moi aussi. Ah, tiens. Donc, toi, tu fais comment? Tu fais ça, tu prends les coins et tu fais. En fait, je pense que le niveau 1 du Riffle Shuffle, ouais, c'est pas mal. C'est de prendre comme ça. Oh, c'est... Mais ouais, file-moi des slips. C'est de prendre. Chier, merde. Le niveau 1, c'est tu prends comme ça et tu fais ça. Bah d'accord, chouette, après, je n'ai pas envie d'apprendre un nouveau métier pour jouer un jeu de cartes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, donnez-moi les bails, quoi. Et après, les niveaux supérieurs, c'est de faire un truc en l'air, comme ça. Et après, tu as le petit truc pour pouvoir les remettre, et ça, c'est satisfaisant. Il est bon. Moi, je me suis entraîné avec voilà. Des landes.
avec des landes magiques, enfin qui ne servaient en gros pas grand chose, pour pouvoir apprendre à bien mélanger. Enfin, est-ce que j'ai envie de m'entraîner? Bah, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté satisfaisant. Tu sais, non, mais je suis d'accord, c'est stylé, mais bon, fait chier quoi. Bref, on vous a dit les termes, voilà. C'est le seul et unique défaut de cette édition. Oui. C'est quand même dommage. Mais, passé ces termes, le reste, c'est irréprochable, et donc jouons. Pourquoi? J'avais parfaitement aligné les tapis. Mais je sais, j'ai rien fait moi. Je sais pas. On dirait que c'est plus moi, mais je... Ouais, on dirait que c'est plus toi. Mais je n'ai pas... C'était pas dans un but conscient. Ouais, bah je me doute bien, c'est jamais... Mais t'es pas... T'es rarement conscient, hein. T'es rarement conscient des conneries que tu fais. Bon. Pourquoi tu me mets ça là? C'est là. C'est parce là. Que c'est là. Ça, éventuellement, tu peux le mettre où tu veux. Ah, c'est marrant, ils l'ont fait en... C'est bien, ça. J'aime bien. Ah, t'aimes bien le fait que ce soit... Ils l'ont fait en symétrie. Ouais. Ils ont pas fait un à gauche et... Ouais. J'aime bien. Je crois que c'est coup, plus logique. Mais elle est où ta pioche? Parce que, en fait, on a une pioche commune. Tu sais, elle est là, c'est la vrai, pioche vrai. Est là. Je sais plus. Alors, moi, j'ai joué il y a pas longtemps avec notamment l'éditeur du jeu. J'embrasse notre ami Guillaume de chez Lucky Duck. Alors, pour rien vous cacher, la première fois qu'on a joué à ce jeu, nous avons été un peu déçus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous a été assez survendu. Beaucoup de gens aimaient beaucoup Radland. Ils nous ont dit: oh, vous avez joué à Radland, etc. Et c'est vrai que la première fois qu'on y a joué, il y a eu ce côté. Ouais, c'est particulier quand même. Et effectivement, ça fait partie, ça peut être un avantage comme un défaut, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'il y a franchement des mécaniques de jeu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans d'autres TCG. Donc à la fois, c'est un peu déroutant, et à la fois, c'est, ça a le mérite d'être original. Donc ça déjà, ça, comme on disait, ça propose quelque chose. Je vais permettre de corriger, je dis-moi. Sais que c'est un point de vocabulaire, mais ça a quand même son importance pour ceux qui nous regardent. Vas-y, vas-y. Ce n'est pas un TCG. C'est pas un c'est jeu. Vrai. Vous alors, n'allez pas trading des card games. Ok. C'est, alors, vous allez. C'est un quoi, JCE? Je ne sais pas ce que c'est. Ce que je sais juste, c'est que moi, ce que j'entends par TCG, c'est pas. Je m'en branle le trading, d'accord. Dans l'idéal, dans un jeu de duel de cartes. C'est ça, un jeu de duel de cartes. Mais c'est ça, c'est un jeu c'est de duel de cartes. C'est un jeu de duel de cartes. Et en même temps, est-ce que TCG, il y a des boosters. Certes, mais moi, dans. Ok. T'as perdu, tu sais que j'ai raison. En gros. Trouve un jeu de cartes qui n'est pas pour moi ce que j'appellerais ouais. un TCG. Ouais, ouais. Un jeu avec des cartes, ok. Ancient Knowledge. Ancient Knowledge, ouais. Il y a beaucoup de cartes, un peu de ressources, mais quand même beaucoup de cartes. C'est pas spécialement ce que j'appellerais un TCG. En revanche, des jeux comme Radlands, Mindbug et par extension sur téléphone, Marvel Snap. Des jeux de duel de cartes. J'appelle ça des TCG parce que ça ressemble, ça me procure à peu près la même sensation que si je jouais à Magic. Il n'y a pas de autre. Problème. Une Clio ressemble à une voiture et pourtant c'est un cercueil avec des roues. C'est très bien, Clio. Je suis défenseur de la Clio. Non, je troll évidemment pour évidemment. Ceux qui nous regardent. Mais tu vois, le problème de duel de cartes, c'est que si tu joues à l'Orcana à 3, c'est possible. En fait, c'est pour ça que j'aime pas le truc de duel de cartes. C'est un jeu de cartes en fait. C'est un jeu de cartes. Le problème, c'est que le tarot est un jeu de cartes. Ouais. Et pourtant, c'est vraiment. Il y a plus de... Le tarot est un jeu de cartes au même titre que l'Orcana. Et ben pour moi, non. Et en fait, un jeu de cartes peut être un TCG. Et un TCG est forcément un jeu de cartes. Mais un jeu de cartes n'est pas forcément un TCG. Et moi, ce que je veux dire, c'est bon. Qu'on utilise TCG parce que c'est plus commun. Non, mais frère, il y a un mec qui disait. Épiloguer non, mais pour bah, dire. Non. Mais je comprends ce que tu oui, dis. Oui, je sais, mais. Je suis juste en mode, bah non, c'est pas le terme que, exact. Je trouve que la discussion est loin d'être inintéressante. Parce qu'on dit TCG. Mais déjà, sûr. TCG, donc c'est Trading Card Game. Oui. En français, on appelle ça des JCC, des jeux de cartes à collectionner. Ce qui n'est pas totalement la même chose. Bon, mais qui, en vrai, à ce côté, je vais récupérer dans des boosters aléatoires, des cartes, etc. Okay. Bon. Moi, j'ai envie d'appeler ça une sorte de jeu stratégique, jeu de cartes stratégique. C'est un peu mal, t'as pas mal. Mais tu vois, je voudrais différencier un Radlands ou un Magic, que je peux mettre entre dans la même case, d'un jeu de tarot ou belote ou du poker, par exemple. Bah, pour moi, la seule différence entre le poker et Radlands, c'est qu'il y en a un qui est moderne et qui a du texte sur les cartes, et l'autre, non. Mais pour moi, ça reste deux jeux de cartes. Est-ce qu'on peut dire que le poker est un jeu stratégique? Ah bah, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Non, mais stratégique dans le sens du mot, on a des tactiques. Bien sûr. Moi, je ne suis pas un bon joueur de poker, mais les mecs qui savent vraiment jouer au poker, ils sont en mode, bah si, il y a des strats. Tu ne vois pas où je veux en venir. Le combat d'unité contre des unités. Stratégique dans la guerre. Bah, il y a de la stratégie sur okay, à quel moment je relance de X ou machin. C'est bon, comment tu dépenses tes ressources? Ça ne m'intéresse pas.
ce sont des jeux de cartes d'affrontement. C'est ça que je veux dire. Le poker okay, ok, n'est pas un jeu de cartes d'affrontement. Enfin... On s'affronte sur okay. le bluff. C'est un jeu d'affrontement de cartes. Ah, là, c'est pas mal. Des cartes qui s'affrontent. C'est des cartes qui s'affrontent, c'est ça. Et c'est ça que je... Donc ça marche pour Mindbug, ça marche pour Outland, ça marche pour... L'Orcana. Alors ce qui est un peu emmerdant, un tout petit peu emmerdant, non mais je crois que ça marche aussi, c'est pour Altered, parce que ça fronte pas vraiment, enfin, en vrai, si. C'est bon, tu compares des forces. Contre leur valeur, tu compares, c'est une manière de le dire. Tu compares, tu compares. Bref, et ben, jeu de cartes d'affrontement, jeu de... Ah, c'est quoi, j'ai dit quoi? Ce débat vous a intéressé dans le chat? Ben j'espère. Mais quelqu'un m'avait dit, parce que du coup j'avais eu le débat moi en live perso, quelqu'un m'avait dit, m'avait proposé sous un commentaire, jeu de cartes asymétrique. Pardon. Et ben effectivement, je n'étais pas d'accord. Non mais, je crois que ça proposait quelque chose, ouais, mais ça n'allait pas, parce qu'en vrai, tu vas voir, là on a en plus un deck commun, et un peu comme au poker, bah juste tu peux avoir les mêmes cartes que les autres, ou pas les mêmes cartes, enfin bref, en tout cas c'est... On a, par exemple, tu peux jouer à Magic, on prend tous les deux un deck préconstruit, on peut prendre le même deck, ouais. Et pourtant on peut jouer l'un contre l'autre, et la partie sera pas forcément intéressante. Je crois que le côté ça marche pas. Jeu d'affrontement de cartes me va très bien, c'est validé, en tout cas pour l'année prochaine... On va essayer de plus faire ce genre de jeu. Jeu d'affrontement de cartes, ouais. Mais on appellera ça TCG parce que c'est plus commun. Oui. Hein. Et puis parce que ça marche bien, ces trois lettres, de dire on va avoir du TCG, du JDR, du J... Alors, comment, J2S. On dit J2S, J2S ou JDS. J'ai tendance à voir J2S parce que ça fait plus le 2 société, mais bon, on s'en branle un peu. Hein. Je sais pas. Il va falloir faire un choix parce que j'ai des génériques à faire. Hein. J'ai été bien gentil. Et moi, j'ai une DA à produire. Donc Bon, est-ce qu'on parle un petit peu de LJD+ ? Ah bah ouais, vu qu'on est dans une émission LJD+, t'as raison, et faisons-le au début, comme ça on essaie de toucher tout le monde. Bon, si vous êtes encore avec nous à ce stade tout le monde de l'émission, tout le monde est peut-être parti. Déjà parti, mais peut-être dans le chapitrage, je mettrai... C'est ça. Attention, voilà. Là il y a un truc qui vous intéresse. Voilà. Annonce. Hop, annonce. Bonjour. LJD+, c'est un programme qu'on a tenté de lancer de manière à pouvoir vous montrer des jeux qu'on n'avait pas l'occasion de vous montrer dans nos émissions classiques. C'était un moyen pour nous de vous présenter des jeux qu'on avait envie de vous présenter, des jeux surtout que vous aviez envie qu'on vous présente, et surtout des jeux qui avaient très peu de chances d'être présentés sur cette chaîne, parce que par bonheur, la chaîne a du succès grâce à vous, et qu'on a donc un calendrier bien rempli d'émissions sponsorisées, et donc de jeux qu'on vous présente, parce que l'éditeur nous a demandé de vous le présenter. Ça ne veut, comme d'habitude, pas dire qu'on va lécher le jeu plus que de raison, mais simplement qu'on lui accorde du temps d'antenne. Et vu que notre temps est limité, eh bien effectivement, on arrive à ce stade où toutes les émissions qu'on fait, ou quasiment toutes, sont sponsorisées par des éditeurs qu'on remercie, puisque c'est ce qui nous permet de faire de cette chaîne notre taf à plein temps. Tout à fait. Ça, c'est dit. Maintenant, voilà, c'était un peu chiant de dire « Ah, mais putain, il y a des éditeurs qui n'ont pas forcément les moyens ou juste des jeux qui sont trop vieux. » Et c'est ça chiant parce qu'on aimerait bien les montrer aux gens. Des éditeurs qui ont des moyens, mais qui n'ont pas forcément le budget pour mettre en avant ce jeu-là. Exactement. Qui n'ont pas forcément... Parce qu'ils ont des budgets par jeu. Ou éventuellement, ça peut aussi être des éditeurs qui ont ou pas les moyens, mais qui, en tout cas, ne se rendent pas compte de ce que peut apporter ce genre d'émission à leur jeu. Par exemple. Bref. Tout un tas de raisons qui font qu'il y a des jeux qu'on ne vous présentait pas et on espérait avec LJD+ pouvoir le faire. En réalité, on va arrêter le programme LJD+ en 2024, tout simplement parce que le ratio temps que ça nous prend versus revenu que ça génère et public que ça touche, n'est pas satisfaisant. En gros, on aurait aimé toucher plus de gens. À la fois, on remercie grandement tous ceux qui soutiennent cette formule. Et nous-mêmes, on ne l'a peut-être pas assez poussé. On aurait pu forcer et dire « Au fait, n'oubliez pas, LJD+, LJD+, LJD+. » Est-ce qu'on a vraiment envie de forcer? Je ne sais pas. Et en plus, en y réfléchissant entre nous, on s'est dit « Ça ne fait qu'une émission par mois. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire ?» Bref, on n'était pas tout à fait satisfaits. Ni parce qu'on faisait, ni parce que ça nous rapportait, ni parce que ça vous apportait. Et on s'est dit qu'en 2024, vu la feuille de route qu'on a,
il valait peut-être mieux qu'on se libère du temps pour faire d'autres trucs plutôt que de forcer dans cette voie. Voilà pourquoi, et tu me diras si tu veux ajouter des choses, le programme JD+ va s'arrêter. Alors, on va couper le fait que vous puissiez vous abonner, je crois, au 31 décembre. Et vous aurez du coup la possibilité quand même d'accéder à la page jusqu'au 31 janvier. Donc ça veut dire qu'en fait, là on fait cette émission Radland et on va en faire une dernière en décembre à laquelle vous aurez du coup accès jusqu'à fin janvier. Et puis fin janvier, toutes les émissions LJD+ seront accessibles à tout le monde et on n'en parlera plus. Je ne sais pas encore quels seront les jeux proposés pour le mois de décembre. Vous allez me dire, mais on est déjà en décembre. Oui, on est un peu à la bourre. Ce qui prouve bien qu'on avait du mal à le calendrier. Après, il y a eu les Board Game Awards en novembre. On a été très chargé en novembre. C'est pour ça qu'on a eu du mal à le caler dans le calendrier. Bref, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je vais ajouter que j'aime bien le principe d'avoir testé quelque chose, de se dire assez vite, bon, bah, c'est pas spécialement ce qu'on voudrait. Espérer. Ou... Et le fait de dire que ça a été aussi lancé en même temps que d'autres projets, notamment les Woody, notamment le fait que c'était justement la rentrée qui avait Friendzone, par exemple. En vrai. Et c'est vrai que ça a été un petit peu noyé dans la masse. Nous-mêmes, on dit, oh là 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 là, mais du coup, mais elle est dans le bon sens. Hein. Et là, je fais comment ? Oui, ouais, vas-y, comme ça. Comme ça ? Ouais, bah, je peux plus faire le truc que tu fais. Non. Parce que c'est pour ça qu'il faut prendre. Reprendre. Bref, donc qu'est-ce que je disais ? Voilà, donc on a testé, c'est pas suffisamment cool, mais rassurez-vous, le but n'est pas... Comment dire, de faire de l'économie de contenu, bien au contraire. C'est-à-dire que on pense justement à faire d'autres choses, notamment donc à mettre à fond sur le TCG, on va faire une émission. Alors pour ceux qui sont en live actuellement, on va en parler en long, en large et en travers à 18h, donc on ne la refait pas. Et pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, vous regarderez la vidéo qu'on va faire à ce sujet, on ne va pas le faire maintenant, ça va être un peu long. Voilà, mais bref, donc dès du contenu, il y en a plein qui va arriver, même plus que l'année dernière, c'est juste que voilà, LJD+, on a testé. Le Tipeee, on a testé. Ça peut être bien, je pense, effectivement. Ça a bien marché. Pour le coup, ça a mieux marché que ce que tu pensais sur les hoodies et peut-être un petit peu moins sur ça. Et ouais, évidemment... Alors, si je dois être transparent, si vous vous dites « Ah, mais du coup, il aurait fallu qu'il y ait combien de personnes pour que vous gardiez le programme ?» Je pense qu'il aurait fallu faire minimum x2, voire x3. Donc, hein, voilà. Quand on est si loin du compte, on passe à autre chose. Et en tout cas, évidemment, un grand merci à celles et ceux qui ont quand même mis leur petite contribution par mois pour ça. C'était cool. Voilà, donc il y aura peut-être d'autres projets d'ailleurs sur Tipeee, peut-être plus tard. Oui. Mais en tout cas, ce truc-là, on l'a testé. C'était pas forcément worse. Fin du buzz. Et là, on va jouer quand même à Radland, et ça, c'est cool. Alors, eh bien, on est parti. Je te laisse expliquer les règles parce que tu les connais par cœur. C'est ça. Je vous fais la version très très courte et lui, il va rentrer dans le détail. Ouais, ça me va. C'est ce que j'aime bien faire. On se complète tellement bien. Ok, la version courte, c'est la suivante. Nous avons donc un deck commun sur lequel nous allons piocher des cartes. Et avec ces cartes, nous allons donc nous affronter. Ou plutôt, les cartes vont s'affronter. Oui, c'est un jeu d'affrontement de cartes. Nous allons avoir c'est validé. Chacun trois bases, d'accord, qui vont être posées ici. Ouais. Le but du jeu, c'est de détruire les trois bases adverses. Hop, 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 j'ai trois bases. Quand vous arrivez à attaquer ma base, elle s'incline dans un premier temps. Considérez que chaque base a deux points de vie. Et si tu la réattaques alors qu'elle est inclinée, alors on va la retourner et on saura que cette base est détruite. Une fois que tu as détruit mes trois bases, j'ai perdu, tu gagnes la partie. C'est ça, c'est le but du jeu. Comment on attaque ? Eh ben, on va avoir des cartes qui vont avoir des effets, notamment l'effet, vous voyez là, un peu d'explosion, voilà, qui permet d'infliger des dégâts. Et ça, ça va permettre de casser des cartes. On va également... du coup, jouer des cartes qui, cette fois-ci, sont avec des bords blancs et qui vont permettre à la fois de faire des effets, d'attaquer les colonnes adverses, mais aussi de défendre nos bases, puisque pour attaquer une base, eh bien, il faut d'abord avoir pété tout ce qui la protège devant. Bien sûr, certains effets vont vous permettre d'attaquer directement la base, mais, comme je viens de le dire, c'est un effet particulier. Vous ne pouvez pas juste... foncer tête baissée et dire « Oh, bah, j'attaque direct ta base ». Voilà, donc la base du jeu, c'est ça. C'est, on a des ressources, à savoir de l'eau. On va dépenser de l'eau pour poser des cartes. On va utiliser ces cartes pour détruire les bases adverses. Le premier qui détruit les trois bases adverses a gagné. Maintenant, comment ça se joue en détail ? Refais-le.
C'est bien, bien expliqué. Voilà, donc on est dans un monde un peu post-apocalyptique. Ça vous rappellera sûrement Mad Max, par exemple. Et donc, oui, effectivement, on est sur la flotte. C'est très important. C'est génial. Effectivement, c'est notre ressource. Alors, comment ça fonctionne? Au lieu d'avoir des terrains qu'on va taper pour avoir des ressources qui vont de plus en plus être présents, on aura à chaque tour 3 ressources d'eau. Entre guillemets, ni plus ni moins. En tout cas, c'est vraiment ces 3 jetons-là. À chaque fois, on va les récupérer. Et si jamais il m'en restait 2, par exemple, du tour d'avant, eh bien, je ne les aurais pas. Donc, c'est vraiment... Au début de chaque tour, on te file 3 ressources. 3 ressources qui vont te permettre donc, de jouer des cartes. Les cartes, il y en a 2... 3 types différents avec les bases. Mais les bases, une fois qu'on les a mis, on les laisse tranquilles. Mais en tout cas, dans le jeu commun, il y a soit donc les créatures, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, ouais. des man, quoi. Soit des événements. Les événements, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, et en fait, vous allez voir qu'un événement, là par exemple celui-ci. Si tu veux, tu peux ouais, le mettre, mettre là, ici les cartes. Tu, hop, tu veux que je le mette en. Oh non, c'est pareil. Ok, parfait. Et ben cet événement-là, en fait, quand je vais le jouer, je ne vais pas le résoudre tout de suite, je vais le mettre dans la case 1. Il y a aussi un événement qu'on va mettre dans la case, par exemple, 2 ou dans la case, par exemple, 3. Alors, hop là, ouais, par exemple, j'ai un événement ici, 3. Donc, c'est un événement qui va être fort parce que. Ça, c'est ce que ça me coûte. Donc, 4 dos, alors que je suis censé avoir 3 par tour, c'est quand même compliqué. Ça arrive, entre guillemets, en 3e position, et en fait, on va avancer cette piste au fur et à mesure, ce qui fait que je vais le résoudre dans 4 tours, mais j'imagine que c'est très fort. Eh bien, ça dit qu'on va mettre une blessure tous les camps de l'adversaire, puis on pioche pour chacun de ces camps détruits. Évidemment, c'est très très fort, puisqu'on rappelle que le but, c'est de détruire les camps adverses. Tiens, je vais finir sur les événements, du coup, si tu peux venir ici. Mettons donc là je joue un truc qui a 3, je le mets ici. Mettons que j'avais déjà joué un truc qui a 1, allez peu importe. Ah, dommage. Ouais, perdu, tu l'as pas. Ouais. Attends, ou sur ton truc à toi. Voilà, donc, on met donc on en est là. J'ai réussi à jouer ces deux cartes là au tour d'avant, par exemple. Et bien quand ça va être au début de mon tour, et bien je vais pousser de 1 chaque événement. D'accord, donc ça veut dire que celui-ci, bah, il passe de 1 à 0 et il va se résoudre directement. Ce qui va être également le cas des événements, il y en a certains qui ont de base un petit 0 sur leur petite bombe qui dit qu'en fait, bah, tu vas les jouer, hop là, tu vas les jouer directement, enfin tu vas directement faire son effet. Okay. Une fois que c'est, donc du coup, bah, on va juste faire l'effet et on va le défausser normalement. Ça, c'est les événements. C'est les événements. Comme vous voyez, donc c'est un peu une sorte de compte à rebours qu'on va mettre, puisque c'est assez rare le fait qu'on résolve l'événement tout de suite. C'est un peu les actions qu'on a dans d'autres jeux, sauf que ça met du temps à arriver. Vous allez voir que le temps est important dans le jeu. Ici, on va avoir donc des créatures. Comment ils appellent ça ? Ça m'embête de ne pas avoir le truc de base. Je sais pas, des mercenaires. Tu l'as comment, toi ? C'est des personnages. Oui. Événements et personnages, c'est très simple. On a le coup qui va être pareil à gauche. Vous voyez, là, ça me base, tout me coûte 1, mais il y en a d'autres qui coûtent plus cher. Mets les cartes, là. Voilà. Celui-ci, par exemple, celle-ci me coûte 3. Je vais avoir son petit nom ici. Ici, je vais avoir ce qu'on appelle un trait. Un trait, c'est une capacité. Alors, ça va dépendre, hein. Évidemment, il y a des capacités arrivées en jeu. Là, c'est la première fois que vous utilisez la capacité d'une carte à chaque tour. Cette carte reste prête. Sorte de capacité statique, quoi. Et on a ici un petit truc qui va permettre une sorte de pouvoir, quoi, où on va dire, bah tiens, si jamais tu veux payer un dos, alors je vais faire cet effet-là, qui en l'occurrence mettre une blessure à un ennemi. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre quand vous jouez des cartes, donc les événements, je vous ai dit, c'est un peu à retardement, bah les cartes aussi. En fait, quand je vais jouer cette carte-là, elle va arriver sur le champ de bataille, mais elle ne va pas être considérée comme étant prête. C'est très important. Donc je vais mettre un petit jeton, bah si je l'ai payé avec 3 os, je vais en fait mettre mes 3 os hop là, dessus et je vais dire cette carte n'est pas prête. Alors, c'est pas parce qu'il y en a 3, hein. De toute façon, au tour d'après, il n'y aura plus rien, mais au moins, elle va pouvoir se battre. Donc, il y a une sorte de mal d'invocation comme ça, sauf que c'est un mal d'invocation qui est également sur les capacités activées comme celle-ci. Normalement, un Magic, c'est uniquement quand on attaque ou quand on s'engage. Là, vraiment, ça fonctionne sur ça. Alors, ça, pour le coup, le côté... le trait qui est ici entre crochets, il va quand même être regardé même si la carte n'est pas prête. Je vais essayer de trouver des exemples. Voilà. Hop là. Celle-ci a dit quand cette carte entre en jeu, eh bien on redresse quelqu'un. Eh bien, ça va être intéressant de parler du redressement. C'est que donc, quand elle arrive en jeu, même si elle n'est pas prête, puisque je viens de l'invoquer, elle va quand même faire cet effet qui est un trait. Par contre, je ne peux pas faire son pouvoir parce qu'il faut qu'elle soit prête. Au tour d'après, je vais pouvoir du coup faire son pouvoir qui va être bah, je paye 2 et je vais pouvoir redresser, donc en gros refaire gagner un point de vie à une de mes cartes. Et pourquoi c'est intéressant de redresser en plus de faire gagner un point de vie? Donc pareil,
comme les bases. Si jamais j'arrive, je suis comme ça, j'ai grosso modo 2 points de vie. Tu me blesses une fois, je suis comme ça, j'ai plus qu'un point de vie. Et si tu me blesses une dernière fois, dans ce cas-là, je vais crever. Mais ce qui est assez peu permissif, c'est que si jamais la carte, elle s'est fait blesser, eh bien, elle n'est pas prête. Donc même si elle est là depuis un tour, deux tours, trois tours, tant que la carte est comme ça, elle n'est pas prête. Et si jamais cette carte qui était ici n'était pas prête et que j'en avais une autre, donc qui me permettait de la rendre prête, enfin la redresser. Mmh. Donc je vais payer son coût en eau. Je redresse celle-ci. Est-ce que cette carte est prête? Eh bien non. En fait, c'est ça qui peut parfois être un peu frustrant, c'est que on a l'impression quand on joue des cartes, on peut vraiment pas activer leur capacité tout de suite. Si elles se font blesser et qu'on les redresse, eh bien pareil, on peut pas activer les capacités tout de suite. Mais ça va être vraiment un jeu de, on va faire des trucs touche par touche, quoi. C'est je mets une petite carte, ok, je ferai peut-être son effet plus tard, et puis toi. Et c'est vrai que il peut avoir ce côté un peu frustrant, c'est nous ce que ça nous a fait au départ, de on a l'impression que les cartes sont jamais prêtes. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que la manière dont eux le disent, ouais, c'est un personnage est toujours prêt, sauf si bam, 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 bam. Il a été joué à ce tour, il a été rafistolé à ce tour, ouais, c'est rafistolé, ouais. Il a subi des dégâts. Ou une de ses capacités a été utilisée à ce tour. Donc, oui. En gros, si tu l'as utilisé, si tu viens de le jouer, s'il a été blessé ou s'il vient d'être soigné, c'est mort. Moi, j'ai tendance plutôt à dire, hein, une carte n'est jamais prête, sauf quand il y a justement pas tout ça. Vaut mieux le voir comme ça. Vaut mieux le voir comme ça. Mais c'est vrai que là, si jamais cette carte, je l'avais depuis un tour, qu'elle n'est pas, c'est pas pris de blessure, je pourrais dire, ok, je vais faire cette action-là. Donc pour un dos, je mets une blessure. Et là, c'est pour ça que ils sont recto verso. Donc j'ai utilisé un dos, je la mets comme ça, ça prouve qu'elle est plus prête puisqu'elle a utilisé son pouvoir. Voilà. Ouais. Que vous dire d'autre? Tiens, est-ce que tu peux dézoomer? Je vais aller sur, un petit peu le plateau. Donc, comme vous pouvez le voir, il est divisé en 9 cases, grosso modo. Donc Max vous a expliqué les bases. Donc en fait, on a 6 points de vie chacun, hein, puisque une fois que les bases sont toutes mortes, c'est fini. Alors les bases sont particulières par rapport aux personnages, puisque même quand elles sont inclinés, on peut quand même faire leur capacité, à l'inverse de tous les cartes personnages. Une fois que la carte est retournée, ça ne change pas la colonne. Et il faut savoir en termes de colonne, c'est que c'est pas vraiment « je vais attaquer le truc qui est en face de moi ». Cette capacité-là, par exemple, si vous infligez ainsi des dégâts à un camp, piochez une carte, bon, en l'occurrence, cette capacité de il y a assez peu de symboles, hein, et ils sont assez logiques, et bien ce truc-là, c'est « infliger des dégâts ». Si jamais je veux infliger des dégâts avec cette personne, je paye 2. Mmh. Et je vais infliger des dégâts où je veux. C'est juste que, comme ce type de dégâts-là, eh bien, il est, on va dire, classique, eh bien, c'est donc dans la colonne que je veux, mais uniquement à la carte qui est devant. Et c'est là où il y a un intérêt de mettre certaines cartes devant et derrière. En fait, si jamais j'avais ce board-là, ici, je ne peux pas. Tiens, je vais faire comme ça. Ici, je ne peux pas jouer parce que j'ai déjà une carte. Il n'y a pas moyen de sacrifier une carte, d'en remplacer une autre. C'est vraiment, tu gardes ce que tu as, quoi. Donc ici, je ne pouvais pas. Ici, je peux, mais en fait, je peux la mettre que là. Pas la mettre là, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Et par contre, si jamais je veux jouer la carte au milieu, alors j'ai le choix entre soit la mettre devant pour qu'elle protège en fait celle-ci, soit dire, je fais ça. Voilà. Il y a dans ce jeu aussi un truc important qui s'appelle le gaspillage. Alors gaspillage, c'est pareil, c'est pas forcément le mot que j'aurais choisi, puisque... Recyclage, plus je pense que recyclage. Ouais, mais non, parce que du coup... Ah, c'est rafistolé. Ouais, je crois que j'aurais dit recyclage. Recyclage, c'est pas mal. Recyclage à Magic, c'est tu te défausses de la carte, tu pioches une carte, ça. À peu près le même truc, c'est ok, tu ne veux pas la jouer, tu ne peux pas la jouer, parce que bon, en plus elle coûte 3, c'est un peu cher. Eh bien, tu peux, si tu veux... la gaspiller, on va quand même utiliser le terme qui est employé, pour pouvoir faire l'effet qui est en haut à gauche. Alors l'effet qui est en haut à gauche, bah, c'est pareil, hein, c'est assez simple. Soit c'est ajouter un dos, donc on rappelle que c'est la ressource du jeu. Ça c'est facile, c'est piocher une carte. Ça c'est mettre un dégât à un ennemi. Attention, contrairement à ça, ce n'est pas un dégât à n'importe qui, c'est forcément un ennemi, donc on ne pourra pas toucher de base adverse avec ça. Et ici, c'est mettre un punk. Alors comment on met un punk? En fait, un punk, c'est un token. Et si jamais bah, je décide donc de gaspiller cette carte-là, alors ça ne me coûte rien, l'avantage, ça ne me coûte que la carte que j'aurais défaussée. Quoi. Donc je vais défausser cette carte-là, et je vais prendre la carte du dessus de la bibliothèque et la mettre eh bien, où je veux sur le terrain. Donc par exemple, je pourrais la mettre ici, ou je pourrais la mettre là. C'est vraiment comme si c'était un personnage, sauf que ce personnage n'a pas de capacité. Et il a une autre particularité, c'est que si jamais il se prend une seule blessure, alors il retourne d'où il vient, c'est-à-dire au-dessus de la pioche.
Mais donc, ce qui peut être intéressant en mettant des punks, parce que pour l'instant, vous allez dire, bah, du coup, c'est pas fou, bah, c'est que si jamais je veux protéger ce personnage-là et que j'ai un moyen de justement me défausser pour pouvoir mettre un punk, bah, je vais le mettre devant. Et comme ça, je sais que bah, quand il va vouloir me faire des blessures de ce style-là, eh ben, il va d'abord devoir passer mon punk. Donc, c'est une sorte de protection. Voilà comment... Est-ce qu'ils ont tous un... Oui. Cette carte, elle peut attaquer ? Elle peut que défendre. En fait, les cartes ne peuvent pas attaquer, d'accord. Elles peuvent que faire leur effet. D'accord, ok, ok, ok. Comme cette carte c'est pas défendre. Genre, c'est pas toutes des 1-2, quoi. Tu vois ? C'est une carte qui n'a que un point de vie. C'est pas deux cartes où je dis, bah, elle attaque. Ça marche pas, ça. Répète. Je peux... si j'ai deux cartes comme ça, oui. Peu importe leur effet, je peux pas dire, bon, bah, j'attaque avec elle, donc j'inflige 1, puis j'inflige 2. Il y a pas d'attaque. C'est ça que je précise. Il n'y a pas d'attaque, mais dans la plupart des cartes, il y a cette capacité qui permet quand même d'attaquer. Qui coûte de l'eau, qui machin. Ah oui, non. Y a... c'est effectivement. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Une fois que la carte, elle est posée, considérez que c'est quelque chose que tu vas devoir quand même payer pour pouvoir attaquer. Okay. Les cartes que vous posez dans Radlands, ce sont des options supplémentaires dans vos choix de jeu. C'est exactement ça. Voilà. Elles ne font rien par elles-mêmes. C'est juste qu'au moment où tu la poses, tu te dis... Ok, voilà une option, un sort supplémentaire que je vais pouvoir faire pendant mon tour. En vrai, là où tu as raison, c'est que ça ressemble plus à des artefacts à Magic qu'à des créatures. Ouais. Puisqu'elles n'ont pas de force d'endurance. Enfin, elles ont quand même une d'endurance qui est déjà. Ils auraient dû appeler le jeu artefact. Ça a bien marché en plus, Adam. C'est bien. bref, petite chose à savoir au niveau des ressources, puis après on va pouvoir y aller. En fait, c'est un jeu qui. Est relativement minimaliste dans son... Voilà, il y a assez peu de cartes, mais on a quand même, grâce à ce deck commun, la possibilité de faire plein de parties différentes. Il y a plein de bases différentes qu'on va se répartir au début. On va, dans la version, on va dire, un petit peu avancée, on va en prendre 6 et on va en choisir 3 qu'on va mettre là. À combien de cartes en main on commence ? Eh bien, on va faire la somme. Non, je vais prendre un truc un peu différent exprès. Voilà, parfait. Voilà, si j'ai choisi ces 3 bases, eh bien, en fait, je vais démarrer la partie avec... 0, plus 1, plus 3, 4 cartes dans ma main. Donc il se peut très bien que je commence la partie avec 0 cartes dans ma main parce que j'aurai 3 trucs à 0. Et évidemment, vous vous rendez bien compte que si jamais les trucs à 0, c'est plus fort qu'un truc à 3. Par exemple, elle dit détruisez cette carte avant de commencer la partie. Donc cette carte-là n'a que un intérêt, c'est de te faire piocher 3 cartes. Ouais. Et effectivement, elle est morte déjà à 4. Donc ça paraît difficile comme ça. Alors c'est un jeu qui peut... On a l'impression que ça peut aller vite. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des parties qui peuvent aller très vite. C'est un jeu qui peut vraiment, on va pouvoir réfléchir parce que chaque petite ressource, et ça vraiment, si vous aimez bien ce côté, je vais pas faire grand chose, mais chaque petit truc que je fais va pouvoir m'avancer un petit peu vers la victoire. C'est vraiment ce truc là. Attention, il peut y avoir aussi un côté frustrant. Je peux très bien être dans un moment où j'ai plus que voilà, une base qui est comme ça. Et en fait, donc Max est en mode, bon bah c'est bon, j'ai bientôt, bon voilà, c'est la mauvaise base. Il a tout gagné quoi, ouais. Il a tout gagné. Et en fait, pas du tout, puisque je peux très bien revenir. Et du coup, il y a quand même des petits retournements de situation qui peuvent se passer, avec notamment des cartes un peu particulières. Découvrons-le. Ouais, on va découvrir. Je vais juste finir sur les options que tu peux faire avec ta flotte. Donc ta flotte va te servir à jouer des cartes, à activer des capacités. On l'a vu comme celle-ci par exemple. Mmh. Et si jamais à la fin du tour, enfin. À un moment dans ton tour, il te reste de l'eau, tu ne veux pas forcément en dépenser, tu as deux choix, on va dire, par défaut, qui vont être soit pour deux hauts de piocher une carte, donc si des fois tu ne sais pas quoi faire, tu as juste à dépenser deux hauts, tu pioches une carte. Et le truc assez intéressant, c'est que je disais qu'on n'avait pas le droit de garder ces ressources d'eau pour le tour d'après, mais en fait on peut tricher un petit peu, en utilisant hop là, la carte Château d'eau. Château d'eau, en fait, ça coûte 1 de le prendre. Donc, par exemple, je vais mettre là, ici, voilà, et je vais récupérer un château d'eau. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, il ne sert que pour sa capacité de recyclage, mais ça vous fait une carte de plus en main qui va se recycler pour avoir un d'eau lors d'un tour futur. Donc, ça vous permet de, en gros, économiser un mana, une ressource pour les tours futurs. Et quand vous le jouez, bah, il retourne là où il est. Donc, c'est, voilà, c'est assez... Vraiment, il va y avoir une grosse partie de gestion de ressources. Mais c'est vrai qu'on n'a pas affaire à un TCG classique où on met des cartes, on attaque avec et basta. Voilà. Sur la mise en place, on ne démarre pas forcément avec les mêmes bases. Alors, évidemment, dans la mise en place, il vous propose 3 bases chacun qui sont à peu près équilibrées. Mais normalement, et nous, c'est comme ça qu'on va jouer... on choisit parmi des cartes dispo. C'est ça. On draft, on fait quoi ? Non, on en prend 6 chacun et on va en choisir 3. Dernière chose, vas-y. Et après, franchement, on peut jouer... Qu'est-ce qu'un Guerrier Heroes ? Ah oui, ça. Ah oui. Bah, c'est un événement. Enfin.
Oui, c'est un événement qui est tout le temps dispo. C'est un événement qui est tout le temps dispo quand il n'est pas directement là. Alors ça peut être intéressant, je finirai là-dessus du coup. Mettons que j'avais cet événement-là que j'ai joué au tour d'avant. Donc il est passé de 3 à 2. Ici, cet événement, donc, je peux le faire pour pouvoir l'activer. Comme vous voyez ici à gauche, contrairement à un événement classique, ouais, bah, voilà, contrairement à un événement classique, je ne peux pas le payer en eau, en fait, de base. Alors, de base, je ne peux pas faire cet effet-là. Ce qui va changer, c'est de faire la capacité assaut. Capacité assaut, donc vous le voyez ici. Elle est notamment présente sur des cartes qu'on va pouvoir recycler. Qu'on va pouvoir tu vois, gaspiller. Un petit détail, d'ailleurs. Pour moi, il y a une... peut-être une... Ah, ok. Je l'aurais peut-être mis en dessous, du coup, le pour dire que c'est un coup. Pour dire que c'est le coup. Bah, peut-être, du coup, au-dessus, exactement comme, non, comme parce ici. Qu'au-dessus... Ah oui, au-dessus, à ouais. La place de l'eau. Au-dessus, oui, à la place de l'eau, ouais, peut-être, ouais. Effectivement, mettre un là. Et je pense qu'ils ont fait ça pour pas qu'on confonde avec le... Pour pas qu'on pense... On puisse la gaspiller pour faire cet effet. Mais bon, ça n'a aucun sens, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, surtout qu'elle n'est pas dans ta main. Bref, en tout cas, cet événement-là, il n'est pas anodin, puisque donc, si vous arrivez à le faire avec ce truc-là, donc vous allez le mettre hop là, dans le 2, puis après il va monter comme ça. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met une blessure, un des camps de votre choix de l'adversaire. En fait, ce qui est bien avec cette carte-là, ça permet justement que la partie, même si jamais lui, il a... Plein de cartes, elle va pouvoir avancer et en fait il n'aura pas le choix, il ne peut pas la défendre, ça veut dire qu'il va devoir se prendre des blessures. Que se passe-t-il, Rof, s'il y a déjà un événement alors, justement, à l'emplacement numéro 2. Mais donc tu es là, eh bien, je veux le mettre ici en 2, ah je ne peux pas puisque du coup il y a déjà quelque chose, et bah, c'est pas grave, je vais le mettre en 3, mais du coup ça permet de le... Enfin, c'est dommage que du coup ça l'a décalé. Et si jamais il y avait un autre événement en 3, on va dire que ça c'est un événement qui était à 3, eh bien cette fois-ci je ne peux pas la jouer puisque du coup je ne pourrais pas, je n'ai que vraiment 3 places d'événements. Ah, voilà. Je peux la mettre derrière mais jamais... Plutôt. C'est ça. Allons-y. Et ben, je crois qu'on est bon. Allez. On va pouvoir y aller. Alors, on récupère nos guerrieros, notre château d'eau. Vous avez une petite tête de jeu qui apparaît en plastique. Ça, c'est cool. Ouais, non, c'est bien. Il y a tous les mots-clés qui sont écrits dessus. Je vous les montre vite fait. Limite, si vous avez l'envie ou le besoin de vous faire un screen pour savoir un petit peu ce qu'on va faire. Bon, voilà. Détruire, c'est assez transparent. Infliger des dégâts, c'est transparent aussi. Blesser, c'est comme infliger des dégâts, mais c'est que à des personnages. Rafistoler, c'est redresser une carte qui a été blessée. Piocher, vous piochez. Eau, vous avez une eau supplémentaire. Gagner un punk, qui vous l'a dit, vous posez un mec qui ne sert qu'à défendre. Et assaut, vous faites avancer votre guerrier rose. C'est tout. C'est, il n'y a pas 50 vraiment... trucs. Et ça, c'est l'ordre du tour, à savoir résolver un événement ou avancer les autres. Piocher une carte et refaites votre stock jusqu'à avoir 3 d'eau et jouer une carte, piocher une carte, gaspiller, prendre du château d'eau, enfin bref, toutes les capacités qu'on vous a dit, ça c'est la phase d'action. Une fois que vous avez fini ça, c'est au tour de l'adversaire. C'est tout ? Ouais, c'est très simple. Ce qui différencie, moi j'aime beaucoup savoir ça, ce qui différencie le premier joueur du deuxième joueur, c'est un jeu qui se joue qu'à deux, alors en tout cas avec cette édition-là, peut-être qu'ils vont faire des éditions, des extensions qui font qu'on peut jouer à plusieurs. On n'a que celle-ci qui permet de jouer que à deux. Et ce qui différencie le premier du deuxième joueur, comme évidemment il peut avoir un tour supplémentaire, c'est quand même très fort, et bien il commence qu'avec un seul dos. Donc c'est quand même... il a entre guillemets... Donc il va poser une carte et il va fermer sa gueule. Il va poser une carte, fin de tour. Ou alors il va juste prendre un château d'eau et fin. Toi tu trouves ça ok ? Oui, je trouve ça ok. C'est ok parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas... Enfin, il faut qu'il y ait une différence entre le premier c'est et le deuxième joueur. C'est quoi pour toi? Ok, demain tu fais un TCG, Rofellos. Oui, on va y revenir un jour. Oui, TCG, c'est sûr, hein. C'est sûr. Un jour, on prendra une année sabbatique. C'est-à-dire que là, 2024, de toute façon, je pense que ce n'est pas le bon moment. On va tester plein de jeux, ça va être cool. Mais plus tard, effectivement, on arrivera avec plein de bonnes idées. Je pense qu'un jour, on va craquer. ok, donc tu fais un TCG. Oui. Comment tu gères le fait d'être premier joueur? Ça dépend du TCG? Ou est-ce que tu as une espèce de règle dans ta tête où tu te dis, mais ça, c'est le meilleur truc? Attends, tu parles du fait de choisir le premier joueur? Non, tu parles du fait de faire la différence entre... Tu es le premier joueur, comment tu équilibres le fait que tu as un avantage? Eh bien, il y a pour moi deux solutions qui existent à l'heure actuelle. C'est, on va dire trois. La première, c'est Magic classique, d'accord? Mais du coup, tu vas filer, il manque dans Magic un avantage que notamment tu as à Hearthstone. Hearthstone, ils ont pris Magic, ils ont dit bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, on va retirer les manas et on va dire bah attends, le deuxième joueur a un défaut parce qu'il peut, donc déjà non seulement il c'est pas lui qui a l'initiative en termes de jeu, mais en plus il peut mourir en ayant joué un tour de moins, ce que je trouve dramatique dans beaucoup de jeux de société. Magic n'a pas vraiment corrigé ça, malheureusement, ça fait partie des défauts. Ce que d'ailleurs Lorcana aurait dû faire, mais bon, tant pis. Lorcana, celui qui commence, a un avantage monstrueux et c'est, je trouve, trop dommage.
Bref, le principe est de mettre soit un défaut pour le premier joueur, soit un avantage pour le... Alors vous allez dire, oui, mais du coup, le premier joueur, il pioche pas. Oui, mais un tour supplémentaire, c'est bien mieux que de piocher une carte. Vraiment. Eh bien, je pense que soit je filerai quelque chose au deuxième joueur. Donc le coup de la pièce, par exemple, à Hearthstone est vraiment, je crois, intéressant. Même si ça peut décaler le problème, il y a beaucoup de gens qui ont préféré, du coup, ne pas commencer à Hearthstone. C'est pas grave. Il faut trouver quelque chose qui permet de faire en sorte que le premier et le deuxième joueur soient quasiment à 50-50. Moi, pour faire du Wadjik, justement... Okay, Hearthstone, ça dépend de ton deck. Il y a des decks où tu préfères avoir la pièce, et il y en a où tu... Le problème d'Hearthstone, c'est qu'en fait, la pièce est un sort. Et du coup, tu pouvais cheater en disant, bah, si je joue voleur, alors du coup, le fait d'avoir un sort en plus, c'est cool. À Magic, dans des versions qu'on est en train de... que moi, je fais du coup en mode casual, on essayait le fait d'avoir un token trésor, en fait, sur le champ de bataille, qui permettait de dire, bah, je peux le sacrifier pour avoir un mana, mais du coup, je peux pas l'utiliser en tant que spell, je l'ai pas dans ma main. Mais du coup, ça peut aussi poser des problèmes de, oui, mais peut-être que l'autre, il va pouvoir utiliser ce mana pour faire... pas ce mana, mais cet artefact pour faire quelque chose. Bref. Donc, c'est pas forcément. Donc, soit tu files un avantage au premier. Soit tu fais donc un gros défaut un avantage au deuxième. Soit tu files un gros défaut au premier. C'est le cas dans... À quoi on a joué récemment, où justement, le premier joueur avait vraiment un tour un peu naze. Ah bah, c'est à Flesh and Blood. Tu as une défense gratuite. C'est qu'en fait, tu joues normalement, mais c'est l'autre qui... Non, c'est à Keyforge où du coup, le premier joueur est un peu limité. Je crois qu'il doit jouer qu'une carte, un truc comme ça. J'ai un truc un peu où il a peut-être beaucoup moins de cartes en main. Bref. Donc, il faut faire en sorte d'équilibrer ce truc-là. Et justement, ils font tous des trucs différents. Et alors, quoi, Rofelos ? Et en fait, ça va dépendre parce que, par exemple, on a joué à Star Wars TCG et pas loin. Star Wars TCG, le principe, c'est de dire que comme on joue à tour de rôle et que du coup, bah, le premier a juste une action qu'il va faire avant l'autre. Et bah c'est beaucoup moins grave. Et c'est même, ça peut même être mieux de jouer en dernier de façon à s'adapter à ce que l'autre joue. Je crois qu'à la manière des jeux de société qu'on a fait et qu'on a souvent trouvé parfois trop long, le côté il y a un temps mort trop important pour certains joueurs, on est souvent arrivé à la conclusion qu'on aimait bien ce côté une action, parce qu'en fait, la seule chose que ça change de faire ça, c'est que ça coupe tes combos de jeu, de dire je fais ça et du coup ça me permet deux et du coup ça me permet deux. Mais en fait tu pourrais très bien dire je fais ça à toi, ok, vu que j'ai fait ça avant je peux faire ça à exactement toi, ça okay. Vu que j'ai fait ça avant et tu fais ton combo, c'est juste qu'il est interrompu tout le temps. Et en fait c'est un peu une manière hyper propre de dire je fais ça, est-ce que tu as une réponse, c'est ça machin, nanan, je fais ça, est-ce que tu as une réponse. Et en fait quand tu fais ces tours de jeu alternatifs, c'est comme si le mec te disait j'ai toujours une réponse. C'est un peu ça. Eh bien, figure-toi que c'est le gameplay de Star Wars TCG qui arrive en 2024, en mars. Et c'est également ce qu'a essayé de faire Altered, qui du coup arrive en 2024, en juillet. J'ai regardé la vidéo des règles. Ouais. C'était quand même assez proche de ce qu'on a joué. Oui. C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ce qu'on a fait. On en parlera dans l'émission. Jamais tu tires. Ouais, je t'arrête. Je me suis dit ça. Je t'ai vu le faire. Ouais, en fait, ouais, moi aussi, je me suis vu le faire. Non. Et je me suis dit, c'est un petit. Tu veux le scotch ? Un petit tic, je sais pas. J'en suis navré. Bref, ça va dépendre du jeu parce que donc du coup, le fait de jouer comme ça, chacun son tour. Et enfin, dernier truc, Mindbug est un jeu où vraiment. Alors, c'est aussi un principe de chacun joue à son tour, donc ça change un petit peu. Mais le principe de dire qu'on a ce mindbug qui peut dire, bah en fait, à la place, c'est toi qui commences, mais en fait, je peux très bien avoir techniquement commencé en prenant ton premier tour, puisque tu as joué la carte que j'ai prise, et ben ça corrige plutôt pas mal. Mindbug est très fort sur le fait de dire, il y a une bête de ce que j'ai compris. J'attends le moment où d'ailleurs, ça existe peut-être déjà en Magic, où on aura une carte qui dit. C'est un sort qui dit, bah. Le mec joue et tu lui dis, bah. Prenez-lui sa carte, puis le mec rejoue. Du coup. En gros, le même effet, mais en tant qu'un spell dans un deck. Quoi. Mais il y a des capacités comme ça qui pourraient très bien se retrouver en d'autres jeux. Et moi, je pense au Snap, de Marvel Snap. Ouais. Le principe de dire, ah là, je pense que j'ai l'avantage sur la partie. Et du coup, j'ai un bonus si jamais je le fais, ou alors tu dois concéder. Il y a peut-être un truc à jouer à ce niveau-là. Bref. Les amis, jouons à Radlands, mais allez. C'est toujours intéressant d'avoir sur la discussion, c'est surtout les jeux de cartes qu'on fait, parce qu'on en fait beaucoup. Donc voilà. Vous savez à quelle heure doit commencer la partie ? Maintenant ! Ça commence maintenant ! C'était 16h normalement. On prend du temps. Bad news, attends. Bad news sur Tipeee. On sait pas. Quoi ? Et... Ah, vous ne voyez pas les gens ou quoi ? Je crois. Tu crois qu'on parle dans le vide ? Bah, je crois en fait, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on dit des trucs. Mais attends. Bon, ça va, le record YouTube sera bon, mais.
Alors ça, c'est incroyable. J'ai hésité à te faire la... J'ai hésité. Bah non. C'est j'ai exceptionnel, hésité à te faire ça. La réflexion de tout à l'heure en disant c'est bizarre parce qu'il n'y en a pas un qui moufte. Oh merde. Je me disais aussi, il parle pas. Bon, bah c'est pas grave. Ah, bah attends, mais du coup, il voit quoi? Attends, faut que j'aille sur la chaîne. Bah, je suis désolé, alors ça... Ça, c'est inédit. Les mecs sont en émission de fils. Mais oui. Ça fait trois quarts d'heure. Mais oui. Quoi. On parle depuis 45 minutes. ok, alors attends, ils voient quoi, les man? Parce que... Alors là, ça, c'est... Ah, ça, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est fou. Alors ça... Et j'ai hésité, parce que tout à l'heure, vraiment, je voyais plus rien. Il y avait marqué... En fait, le truc, c'est qu'il y en a un qui a fait une petite blague, donc je ne savais pas si c'était passé ouais. ou pas. Putain, et les mecs ne nous voient pas, quoi. Et ils ont fait un salut. C'était super intéressant qu'il n'y a pas. Ah, merde. Bah, du coup, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir quand même courir. Non, bah, oh, non, bah, non. On... Bah, allez, man. Vite fait, vite fait. En fait, je ne sais même pas comment relancer. C'est ça, le truc. Et je crois que ça va être une VOD. Désolé pour le live, mais je ne sais pas comment... En gros, je crois que c'est un bug de YouTube. Ah oui. Et donc, je ne sais pas... Comment arriver en live? Alors attends. Quoi lire le chat? Bah oui, mais. Bah, mais le chat. Mais le chat parlait pas. Il en parlait fait, pas. Les gars. Alors attends, j'ai essayé de trouver la réponse. Hein. Et en plus, ils se sont dit salut à un moment donné, qu'ils se répondaient entre eux. Mais oui. Il y a eu un petit salut. attendez, on regarde. Oh merde, ça c'est exceptionnel. Ah, j'ai hésité. J'ai eu ce petit côté, mais. Il n'y a quand même pas beaucoup. Et en plus, bon, y a, c'est normal, c'est un live privé. Mais il y a quand même des gens qui généralement parlent. Ouais, mais souvent, tu vois, ils sont 2-3, donc j'étais pas surpris, quoi. Ok, alors là. Qu'est-ce que. Ah, ça, c'est fou. Au moins, ils sont là. Au moins, on est là. Ah, mais on est complètement là, les gars. On était giga là, quoi. Ah, oh, c'est fou. Pas mal. Alors, ça. Alors, attends, je regarde. Qu'est-ce que les gens voient depuis tout à l'heure? Est-ce que c'est juste... Ah, le live est off, en fait. Ah, le live est off, c'est con. Le live est off. Première fois, un live JD+, je vais plus revenir, je curse. Ah, c'est à cause de Risto. Alors, comment je fais? Attends, ah, ça, c'est incroyable. Tu coupes, tu relances. Je cut le live, mais pas le record. Comme ça, je vois un peu ouais. ce que je peux faire. Ok. T'es bien sur YouTube. Ok, donc là, je vais gérer la diffusion. Sélectionner une diffusion existante. Voilà, elle n'existe plus. Ah, elle n'existe plus, la diffusion. Elle n'existe plus. C'est un bug. Et donc, je vais en créer une nouvelle et je vais leur donner le lien. Et ils feront sans les règles, ils comprendront au fur et à mesure. Parce qu'on ne va pas la réexpliquer pour la vie EOD. Ouais. On n'a pas le temps. Ok. Eh bah, ben, ça arrive. Alors ça, c'est incroyable. Pas de miniature, machin, nanana. Désolé, je suis en train de faire mon bail, hein, mais... C'est à cause de YouTube? Enfin, c'est à cause de OBS qui n'a pas donné à YouTube. Alors, attendez, bougez pas. Ouais, bam, bam, bam. Ok. Ok, j'envoie. Alors. Normalement, là, ça va marcher. Et ensuite, il va falloir que je leur donne le lien. Le chat a désactivé pour cette diffusion en direct. C'était dommage. D'accord, ça commence pas très bien. c'est fou, là, ce qui se passe. D'accord. Et là, si je fais... Donc, chat. Bon, bah, ça marche pas du coup. Ah ouais. Ah ouais, c'est chiant, hein. C'est chiant. C'est chiant parce que je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ah, attends, ouais, je crois que j'ai l'info. C'est parce que j'ai mis que le live convenait aux enfants et c'est pour ça qu'il n'y avait pas le chat. Ok, c'est bon. Cela ne convient pas aux enfants. C'est bon, ça ne convient pas aux enfants. Je vais pouvoir la relancer. Tout va bien. On y va? Ok, j'envoie. Normalement, ça va marcher. Voilà, ça fonctionne. Et maintenant, il faut que je leur donne le lien du truc. Eh oui. Et donc, laissez-moi une seconde. Oh, l'enfer! Et comment je leur donne le lien? Sur Tipeee? Ok, attends, bouge pas. Oh là là, petit temps mort hein, dans la vidéo, je suis désolé. Alors du coup, il va falloir qu'on soit pas trop long parce que l'heure avance. Je sais qu'on est bientôt à 80 000 abonnés sur la chaîne et ça, c'est nice. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est magnifique. Ok, c'est bon. En direct. Oui. Oui, on va
va s'en sortir, oui, oui. Bon, j'en profite pour vous montrer un petit peu la règle qui est assez simple. Hein. C'est... J'ai pas vu de trou. Mm-hmm. Si, j'ai vu... Alors, il y, y a quand même une petite FAQ à la fin, notamment certains personnages, certains trucs. On a vu une carte qui marchait bizarrement et on a dit, tiens, elle va fonctionner comme ça. Bon. Mais ils ont fait un truc un peu intelligent. Ils ont dit, ce livre de règles évolue. Téléchargez la dernière version sur... Et tu peux télécharger ce truc-là si jamais, du coup, t'es pas à jour. Donc, il doit peut-être y avoir... mise à jour au niveau notamment des, de la FAQ, bah forcément, si on leur pose des questions plusieurs fois sur la même carte, ils disent bon, peut-être que c'est pas très très clair. Bon, il y a quelques cartes, notamment une carte où on s'est dit tiens, là, on pense que c'est plutôt comme ça, peut-être qu'il manque un mot. Bon, mais de manière générale, ça reste un jeu assez propre. Et pour finir un peu là-dessus, quand on parlait des jeux d'affrontement de cartes, là, c'est que voilà, comme pour moi, finalement, quand on fait une partie, soit de Radlands, de Mindbug ou de Magic ou de Yu-Gi-Oh ou de machin, ça reste pour moi à peu près dans les mêmes vibes. Je trouve ça cool d'avoir des jeux qui, pour pas trop cher, pour quelques dizaines d'euros, puissent te permettre d'avoir de quoi justement faire plusieurs parties qui se ressemblent pas forcément avec, avec très peu de cartes. Voilà. Et d'ailleurs, je me demande si le jour où je fais un TCG, ce sera pas, dans un premier temps, un jeu comme ça à la Radlands Mindbug où juste tu payes quelques dizaines d'euros et tu as un jeu de duel de cartes. Un jeu fini. Ouais. C'est un jeu, alors pas forcément fini parce que tu peux faire des extensions, mais en tout cas un jeu où tu toi, peux. Toi, tu fais pas des boosters. Le problème des boosters, c'est que ça demande, je pense, un. Ça demande trop d'investissement. Ouais, mais c'est pas. Ah bah, le jour où tu fais ça, tu faut changer de travail. Enfin, c'est. Il faut que tu gères le développement du jeu à fond. Faut que t'es. J'aime bien, tu vois, le principe par exemple de Marvel Snap où il y a une carte par semaine qui sort et où du coup. Ah, mais ça... c'est un jeu numérique, du coup. Ouais, mais mon but, c'est pas, surtout pas de faire un jeu numérique. Physique. Mais. Je dis pas forcément une carte par semaine, mais tu vois, ça peut être des... Bah, en fait, je pense que j'aurais plus l'envie de faire une sorte de JCE. Mmh. Après, c'est vrai que le modèle économique du TCG il est quand même bien pratique, mais il faut que ça prenne, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'il faut que ça prenne, il faut que les boutiques soient... Je pense que c'est une trop grosse machine. OK. Alors, ça met un peu de temps avant de popper, et donc avant que je puisse donner le lien. Donc... Moi, je peux meubler comme tu veux. Il faut meubler genre à 5 minutes, quoi. Meubler 5 minutes. 5 minutes. Meublons 5 minutes. C'est con parce qu'on a fait un beau début de meublage. J'ai le seum, hein, mais qu'est-ce que je te dise En gros, tu veux que je te dise ce qui s'est passé enfin, dis-moi ce qui s'est passé. Parlons technique. 30 secondes. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé le live. Puis, après avoir lancé le live, je me suis rendu compte qu'en fait, mes presets d'images étaient sur Friendzone. Mmh. Du coup, j'ai changé mes presets. Et en fait, ça a coupé le live. Je fais, c'est pas grave, je relance. Et en fait, quand tu fais un live YouTube et que tu le coupes, ça termine le live. Ah bah oui. Après, il faut en recréer un. En fait. C'est pas comme Twitch où juste ta chaîne est tout le temps on. Ouais, c'est ça. Et juste, tu lances ou tu coupes le flux. Là, oui, c'est une vidéo. En oui, fait. Parce qu'à chaque fois, ça te fout une vidéo. Ouais. Ouais. Là, en fait, t'as une vidéo où il y a un début et. De deux secondes. Ouais, non, c'est très décevant. Donc, voilà pourquoi ça a bugué. Juste, je pensais pas que ça allait fermer la vidéo, en fait. Mais alors, du coup... Ah, OK. Du coup, tu vas... Donc, en depuis fait... tout à l'heure, le live que j'ai lancé, il record, mais il envoie le flux dans le vide, en fait. Dans une vidéo qui était terminée. Dans le warp. Ouais, ça a warpé le... Mais le donc, contenu. Comme sur OBS, tu as enregistré la VOD, tu n'as rien perdu. Upload le truc. Ah, moi, vous allez avoir la vidéo finale. C'est juste pour les quelques mecs en live qu'on est en train de se taper un... 20 minutes de trucs nuls. C'est pas très grave, et puis tu chapitreras la vidéo. Je couperai la vidéo. Tu couperas la vidéo. Surtout pour qu'il y ait que... D'accord, pour qu'il y ait que le bail. Le bail. Eh bien, écoute... Voilà. Donc, ah oui, donc là, en fait, on peut même meubler. On peut même arrêter de parler. On peut arrêter de parler. Parce qu'en fait, de toute façon, je vais couper ce passage, il est beaucoup trop nul. C'est vrai que c'est pas terrible, ça, hein, c'est pas le meilleur. C'est naze. Et du coup, ça me permet de te dire que... T'es un beau fils de pute. Non, c'est pas ça. Non, j'étais juste en mode, faut pas qu'on fasse, parce qu'on a une émission à 18h. Oui, je sais bien. En fait, on va faire une part. Tu vas refaire ta petite explication rapide. C'est bon. Non, c'est pas bon. D'accord. En fait, faut que j'aie un moment de... Ah putain! Est-ce qu'en fait, les trucs que je vois, c'est pas que quand la vidéo est terminée? Je cherche. Je cherche comment, en fait, leur donner du. Là, actuellement, on diffuse. D'accord, mais ils n'ont pas le lien. Mais voilà. Ils n'ont pas le lien et je vois pas comment je peux leur donner. Parce que sur la liste des vidéos que j'ai, c'est que les vidéos terminées, en fait. Donc, en fait, ça a un meublé Milan. Mais comment... C'est juste qu'elles ne s'affichent que quand elles sont terminées.
Comment t'as fait? Je suis en cri en direct, donc je suis un peu en mode bah fils de pute. Comment t'as fait Oui, normalement. Ok. Je fasse là. L'interface mobile, assez. Ouais. Ok. On va trouver. Oh, perspective est sortie. Ouais. Ok. Il y a une heure. Diffusé en direct. Voilà. Ok, c'est bon. Je l'ai. Je le possède. Très bien. Et là, je fais copier. Et là, je vais dans ça. Et là. Ok. Si, là, c'est. Et je peux pas leur parler là-dedans. Ah merde. Attends. Je sais comment faire. Calmons-nous. Je sais comment faire. Je m'envoyais un mail avec l'adresse. On en est là. Hein. On en est là. Ok. Ok. Oui. Voilà. Et maintenant, je peux le faire avec le téléphone en disant ok, je prends mon mail. Je prends le lien YouTube. Copie le lien. Je vais dans YouTube où j'ai encore la fenêtre ouverte du chat en direct. Ah non, j'ai plus accès au chat. J'ai plus accès. Bah, fin du buzz, hein. Et sur Tipeee. Ce qu'il faut, c'est mettre le lien sur Tipeee. Ouais, mais ils vont pas. Enfin, tu vois, en immédiat comme ça, c'est pas. Je crois que ça sert à rien. Quoi. On parle de 3 personnes. C'est ce que je veux dire. Je vais mettre un lien sur Tipeee pour que probablement les 3 personnes le voient pas. Mais on est d'accord que du coup. Ils verront juste. En fait, si. En fait, fais-le quand même. Ouais. Oh, ça coûte rien. Oh, c'est nul à chier. C'est pas grave. Voilà pourquoi on arrête ce programme de merde. Putain. C'est pas grave. Live sur YouTube, quel enfer. Ils se demandaient pourquoi ça marche pas YouTube. Parce que c'est nul, putain. Le système est à chier. En fait, il a pas été conçu pour ça à la base, le truc. Bah ouais, bah c'est pas. Et c'est à eux d'être ingénieurs. Hein. Putain. Ça me rassure sur le fait de dire. Les lives sont sur Twitch. Après, tu peux les rediff sur YouTube. Ouais, chacun fait bien son taf. Tellement. Il y avait ce côté pratique de dire, bah, une fois que tu as fini ta VOD. Ouais, mais en fait, c'est en de fait la ça, si un jour tu as ton live qui cut, parce que tu as un problème de connexion, machin, tu refais une vidéo. C'est nul. C'est nul à chier. Okay. Allez, c'est publié. Voilà. On verra si les mecs pop. Mais... Je pense qu'ils peuvent pop. Hein. Il y a des cagoulés. Hein. Et nous, on va. Voilà, nous, on envoie. On fait la game. Et, on envoie et go. Allez, allons-y. Ok. On va aller voir popper à un moment donné. Hey, salut Matin. Alors, les bases, on c'est en a 6. Alors attends, on refait une intro un peu propre. 2. Attends. Ok. Hop là, on m'entend pas. On m'entend pas. Si. On est de retour, les amis. Je sais pas pourquoi. Il y a eu des bugs un petit peu chelous, techniques, des trucs sur les lives YouTube. Bref, vous avez vu la première partie. Maintenant, on joue. Ah, allons-y. Avec grand alors, plaisir. Je te on passe. Va prendre du coup nos bases. On en a 6. On en choisit 3. Si chacun en choisit 3, on va pas passer 1000 ans dessus, mais en gros, tiens, il faut regarder. Vu que moi je joue avec mon caca, je te laisse afficher les tiennes et peut-être choisir ce que tu fais. Je vais brochure en fonction de toi. Très bien, très bien. Bah déjà, je peux les classer un petit peu par combien de cartes elle me file, c'est ça. Il y en a une qui m'en file 0. J'imagine qu'elle a un bon pouvoir. Je paye 1 si un événement a été résolu lors de ce tour, je mets une blessure. Ce qui est très fort. Mettre une blessure pour 1, c'est évidemment assez fort. Pour 1, infliger un dégât à cette carte, puis mettez 1. Vous voyez à quel point c'est fort. C'est qu'en fait, lui, si jamais je veux mettre des dégâts avec ce canon, eh bien, il va falloir que je lui prenne, que je me prenne un dégât. Donc c'est quand même vraiment assez pénible. Mais ça me permet d'avoir une carte en plus. 1, faites avancer n'importe quel événement de 1. Alors ça coûte 1 dos de faire ça, mais pourquoi pas.
Oui, à chaque fois, c'est des petits effets. Hein. Ça ne va, ça va pas être bien glorieux, mais c'est l'association de ces petits effets qui vont nous faire gagner. Alors, ça coûte 0. Mais alors, ouais, quand ça coûte 0, en fait, je vais mettre un petit marqueur comme ça pour dire que je l'ai fait une fois à ce tour-là. Infliger des dégâts à cette carte. Souvent, c'est ça, hein, la contrepartie. Puis, défausser une ou plusieurs cartes hors château d'eau et piocher autant de cartes plus 1. Ça permet de piocher des cartes en plus, mais par contre, ça demande à ce qu'on se prenne des dégâts. Là, j'ai deux cartes. Au début du jeu, mais j'imagine que du coup, le pouvoir n'est pas top. Je paye 1. Cette carte est indemne, donc si elle n'a pas pris de dégâts. Retournez un camp détruit et détruisez cette carte. Ah, donc ça permet de sauver quelque chose. Bah, chantier de reconstruction. Et enfin, le labo de transplantation. 1. Si vous avez mis en jeu deux personnages ou plus sur ce tour, eh bien, je vais pouvoir redresser quelque chose. Ça, cette capacité me plaît plutôt bien. Clairement, le fait de redresser, c'est intéressant. Et puis, en plus, ça me permet d'avoir deux cartes. Donc, je vais prendre celle-là, c'est sûr. J'aime bien le fait de dire que si je résous un événement, eh bien, je vais pouvoir mettre une blessure pour 1. Donc, ça me va. Donc, voilà, je vais prendre un truc à 0, un truc à 2, sûrement un truc à 1. Alors, soit un canon... Bah, en vrai, le fait que lui... il puisse faire avancer n'importe quel événement de 1, j'ai un thème un peu événement. Alors ce qui est bien, c'est qu'on... Vous pouvez me dire, mais peut-être que du coup, t'en piocheras pas, parce qu'il y a quand même plus de cartes de personnages que d'événements. Eh bien oui, mais au pire, j'ai mes petits grilleros, alors qui pour l'instant, je ne peux pas les lancer, il n'y a pas de cartes qui permettent de le lancer directement, mais je vais avoir des actions pour faire ça. Donc voilà, je vais partir sur un plan un peu événement. Et toi-même ? Alors, pour ma part, je vais partir sur ceci, à savoir une carte qui me dit « Utilisez la capacité d'un de vos personnages ayant subi des dégâts, payez-en. » Même le coup, c'est bien. Puis détruisez-le. Ah. En gros, un mec qui serait pas prêt, qui a subi des dégâts, machin, plutôt que de le soigner, j'utilise sa capacité une dernière fois et je le dégage. Ouais. Voilà. Retournez l'un de vos punks. On va dire coucou à ceux qui viennent d'arriver. Ivan, Supermax, Christo Krouf, ils sont là, vous avez... On a galéré. Hein. On a galéré de ouf pour vous donner le lien, c'était impossible, on n'avait plus accès à l'ancienne vidéo. Bref, bienvenue à ceux qui nous joignent sur ce nouveau live. Donc, vous avez regardé le début de la VOD, on a dit des choses notamment sur LJD+, ça va vous intéresser. Et juste là, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, je crois que sur YouTube, par contre, vous pouvez retourner en arrière sur le live. Donc, si vous voulez, vous pouvez être en décalage complet avec nous et vous pouvez regarder depuis le début. Hein, sur YouTube, ça marche. T'es sûr que ce live-là qu'on fait là, qu'on diffuse, il a pas commencé au moment où t'as mis diffuser? Ah, parce que tu veux dire que j'ai coupé là depuis tout à l'heure ? Ah, bah ouais, je pense. Ah, ouais, t'as raison. Je pense pas vous l'aurez pas. Vous l'aurez en VOD, désolé. Voilà. Vous êtes des boss. Retournez un de vos punks. Si c'est un personnage, il entre en jeu et n'est pas prêt. Si c'est un événement, défaussez-le pour gagner un punk et un dos. Ouais, c'est fort ça. C'est un joueur avec les punks, ouais, j'avais fait la dernière fois. Alors, celle-là, elle donne pas de cartes. Par contre, je peux détruire une des cartes de mon adversaire de son choix, sauf s'il défausse deux cartes. Soit je te détruis un mec, soit t'en défausse deux. Bon, il me donne pas de carte. Il donne pas de carte, mais c'est... Donc moi, je démarre avec deux cartes. C'est décevant. Tu démarres avec deux cartes. Moi, je démarre avec trois cartes. Ouais. Bon, les autres, je te dis ce que j'avais, pour que tu te rendes compte de ce que j'ai pas pris. Vas-y. J'ai pas pris payer deux pour infliger des dégâts à n'importe quelle carte, puis détruisez un de vos personnages. En mode... N'importe quelle carte, c'est pas mal. Hein, parce qu'après, tu peux du coup... En fait, là, t'aurais pu mettre des punks... Et détruire les punks pour prêter tes bases. Mais c'est pas évident, non, c'est pas évident. Ouais, ça rapporte zéro en plus. Et puis il y a zéro, quoi. Je pouvais pas mettre deux trucs qui rapportent. Parce qu'en fait, je voulais absolument celle-là. D'accord. J'étais en mode, mettre deux trucs qui rapportent zéro, c'est compliqué. Ça rapporte une carte, mais c'était détruiser un de vos personnages. Donc c'est un peu la même chose que ça. Puis redresser. Donc en gros, au lieu de faire la capacité d'un personnage avant de le détruire, c'était redresse un truc avant de détruire un personnage. J'étais en mode, c'est strictement inférieur, je trouve. Alors non, c'est limitant, parce que tu peux aussi redresser tes bases. Oui, mais je peux avoir un personnage dont le pouvoir c'est redresser. Enfin, là ça me permet de faire tout. Là, ça me permet de faire qu'un truc. Que toi, tu trouves peut-être plus fort, mais... J'ai l'impression que c'était pas mal, ouais. Ok. Et là, j'ai pour un infliger des dégâts à cette carte. Donc en gros, elle peut le faire deux fois, quoi. Ou alors, faut la soigner. Et ça vous permet de soit piocher, soit rafistoler, soit poser un punk. Je trouve ça très cool. Mais ça nécessite... En gros, je l'aurais pris si j'avais plus de cartes qui soignaient, tu vois. Genre, si j'avais eu vraiment trois bases qui soignent... Je pense que combo ça, c'était pas mal. Parce que du coup, tu pouvais mettre des punks grâce à ça, les transformer et soigner ce truc-là. Ouais, mais ça marche... En fait, ça marche aussi avec ça, tu vois. Tu pouvais mettre des punks grâce à ça, puis les envoyer sur la base. Non, les punks, c'est grâce à ça que tu les envoies.
Peut-être ça, ça te permet pas d'avoir un punk. Ça te permet de les transformer. Ouais, ouais, t'as raison. Mais tranquille. Raison. Bon, j'ai pris quoi, du coup, moi ? Toi, t'as pris ça. J'ai pris ça. T'as pris ça. Vas-y, je vais faire avec. Okay. J'assume. Ça me fait marrer parce que je te montre les trois autres cartes et tu me dis, mais en fait, j'aurais pris les trois autres. Non, parce que j'aurais effectivement gardé celui-là. Ouais. Mais effectivement, sur les deux autres, je pense que j'aurais changé. Bon, on va voir. Oh, celle-là, elle va te faire chier quand même. Détruire une carte ou défausse en deux. Je crois que un. Le fait que ce soit de mon choix fait que si tu as payé deux. Ouais. Une des cartes de votre adversaire de son choix. Ta base, c'est une carte. Si à un moment donné, t'as pas de carte, t'es obligé de détruire une base. C'est sûr. Hein, bon. Non, c'est pas mauvais. Allons-y. Ok, j'ai donc trois cartes en main. Pour savoir qui commence, c'est pas compliqué. On fait un petit pile ou face. Tu prends l'eau. Bravo. Bien, je vais commencer, mais je rappelle que je commence avec un seul dos pour ce tour. Et on y va. Alors moi, je te dis quand même mes cartes, excuse-moi. Lui, je paye 1. Si un événement était résolu lors de ce tour, je mets une blessure. Ok. Lui, je fais avancer n'importe quel événement de 1. Donc, j'ai eu un petit thème événement. Et lui, qui m'a fait piocher 2. Si vous avez mis en jeu 2 personnages ou plus lors de ce tour, je peux rafistoler quelque chose. Donc, tu as du soin des événements. Donc, toi, en gros, tu as posé de l'armure et tu vas jouer avec le truc qui est là. Il y a un bail où j'essaie chiant, de foutre des événements, effectivement. Ok, c'est à qui de jouer ? Ok, bah c'est à moi du coup. C'est à toi, je t'écoute. C'est à moi, j'ai que un dos. Mais je peux aussi donc défausser des trucs. Je crois que je vais plutôt mettre ça. Hein. Écoute, je vais mettre une muse. Je vais le mettre devant... Donc je vais dépenser un dos. Hop, elle n'est pas prête. Et je vais la mettre devant quoi ? Je vais la mettre devant ça. Voilà. Et c'est tout ce que je peux faire. À toi de jouer. Alors oui, j'ai oublié de piocher une carte. D'ailleurs, effectivement, on pioche une carte même au premier tour, même quand on ne sait pas. Et donc du coup, est-ce que ça aura changé quelque chose ? Non. À toi de jouer. Tu commences par piocher une carte, Max. Très bien. Eh bien, je pioche une carte, ce qui me permet d'avoir ceci. Ok. Il y a pas mal de... Enfin, je trouve qu'il y a une grosse différence dans Radlands. Il y a une grande marge de progression. Et j'en suis vraiment au début, moi, mais vraiment, il y a des choses, genre par exemple, on a la tendance à regarder pas mal de cartes en main. Je pense que c'est bien de les défausser assez activement pour pouvoir faire leurs effets, notamment de recyclage. Moi, j'ai pas trop de chance, j'ai souvent eu la même chose. Je vais prendre le château d'eau. Ouais. Puis, je vais... jouer cette carte pour 1. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Avant-garde, quand cette carte entre en jeu, jouer un punk. C'est très fort. Je vais la jouer sur... C'est une bonne carte. Je vais jouer sur ça. Ouais, et le punk, tu peux soit le mettre ici, soit en dessous, soit à côté. Mettre là. Ouais. D'ailleurs, non. Je vais le mettre là. Mmh. Puis... Il me reste 1, et donc pour 1, je vais jouer le maraudeur, posé là, qui dit « Si vous infligez ainsi des dégâts à un camp, piochez une carte. » Ok, donc en fait, toi, tu l'as mis, t'as mis ça comme ça. D'accord, qu'il n'y a pas de notion de colonne, lui, il n'est pas obligé de faire son effet non, que là. Non. Okay, la colonne protège uniquement, okay. Mais l'attaque se fait où tu veux. Ok. Fin de mon tour, à toi. À moi de jouer, je vais commencer par... Je pioche une carte, donc normalement j'aurais avancé mes événements, il n'y en a pas. Je pioche une carte et on peut y aller. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser ma muse. Alors, c'est pour ça qu'il y a des cartes noires comme ça. Ça va me permettre d'avoir un dos. C'est cool. Donc toi, tous les tours, t'as 4 dos là. Ouais, tant que ma muse est là. C'est cool. Hein. On va s'en occuper, hein. Est-ce que je fais ça au risque de me prendre une tub, hein, tout simplement. J'ai un move. Mais il est risqué. Mais il est fort. Je joue pas le beau jeu. J'ai envie de faire le beau jeu. Clairement. J'ai envie de faire le beau jeu, donc je vais le faire. Je vais faire un bombardement. Ok. Alors, c'est la grosse carte que j'ai eue et que j'ai expliquée tout à l'heure. Mais donc, ça va me coûter 4 dos, donc 1 de ma muse et voilà. Par contre, c'est tous les camps de l'adversaire, donc tu gagnes la game. Non, c'est une blessure.
Ok, c'est relou quand même. Blessure sur tous les camps de l'adversaire, puis je pioche pour chacun de ces camps détruits. Mais ça m'a coûté 4 et 3. Ok, j'ai 3 tours pour m'en occuper, quoi. Il va falloir faire quelque chose. Ça va se mettre ici. À moi de jouer. Non, parce que du coup, j'ai des cartes en main. Je peux en défausser pour faire des choses. Oui. Je vais commencer par... Repose sa carte, j'ai pas fini du tout mon tour. Je vais commencer par faire un justicier, ce qui va me permettre de mettre des guerriers ici. Bien joué. Ça, c'est défaussé. Puis, je vais... Donc ça, ça va être ici. Regardez un petit peu tes cartes. Elle, elle dit 2, si vous infligez ainsi dégâts à un camp, ok. Et ça, ça dit 1, puis l'adversaire vous met 1 en retour. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une blessure t'es mort, en fait. Au... à ça. À toi de jouer. J'ai pas du tout fini mon tour, il a dit. Bon, ça va, j'avais deux trucs à faire. Bon. Alors maintenant, toi, t'as un château d'eau, par contre. T'as 4 mana, technique. Ouais. Ok. Je vais avancer cette carte. Mmh. Alors, attends, faut pas... Chaque fois, j'ai envie de poser des trucs et des fois, il faut juste jouer des... Oui, oui, clairement. D'ailleurs, tout à l'heure, tu vois, quand t'as fait ce truc-là, t'aurais peut-être pu faire ce truc-là à la place de jouer lui. Mais bon. Je vais remettre le château d'eau, ce qui me permet de gagner 1. Ouais. Ok. J'ai 4. C'est ça. Combien de cartes en main ? Une. Là, j'ai acheté un petit peu de temps, notamment... Je crois que c'est le moment de faire ça, en fait. Hein. Ça me fait chier, mais je crois que c'est le moment de faire ça. Je vais donc dépenser 2 pour faire son effet. Alors, répète-moi, je détruis une de mes cartes. Carte de ton choix, ou alors tu défausses 2 cartes. Donc, en gros, ma muse est morte. Okay. Je suis à toi comme la sardine est à l'huile. Ouais. En fait, j'ai rien pour gérer ton truc. Donc, je suis un peu en mode... Bon. De toute façon, j'ai 3 tours pour te tuer, quoi. Mais non, parce qu'encore une fois, ça met qu'une blessure. Hein. Ouais. Je réfléchis. Ouais, j'ai un combo qui est très fort, mais c'est le bout du monde pour le faire. Ah, c'est toujours le bout du monde. Ok, pour 1, je vais retourner un de mes punks. Oh, c'est un personnage. Ouais. Dommage, c'est un événement. Ouais, mais c'est pas grave, tu le... Tu... Non, non. Ouais, bah, ça, si c'est un événement... Je défausse pour gagner un nouveau punk et un dos. Ça m'a rien coûté. Bah c'est cool. C'est plutôt pas mal. En fait, ça faut le faire à tous les tours quand t'as un punk. Ok, pour 2. Nous voyez bien le chat, c'est bon. Oui. Allez, pour 2, je vais infliger des dégâts à ce camp. Comment tu fais ça ? Mais non, parce qu'il est engagé. Ah oui, il est pas prêt. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai engagé, en fait. Hein. Sinon... Eh, bien joué, bien joué. Alors lui, il a déjà fait son truc. Je peux pas le refaire. Lui, il a déjà fait son truc. Donc je peux pas le refaire. Donc en gros... Bah si, je peux. Ah, mais je le détruis. Ok. Donc je vais le faire en fait via ça. Ouais, donc je vais payer 2. Je vais donc infliger des dégâts à ça. Je vais piocher une carte. Puis cette carte est détruite. D'accord. Tu m'as eu. À toi de jouer. Ça marche. Ah ouais, ouais. Bien joué. À moi de jouer, je pioche. Alors déjà, je monte mes événements. Puis je pioche. Alors.
Et ça fait réfléchir, hein. Ah, c'est un jeu de réfléchir. C'est un gros jeu de réflexion. Alors, je pourrais faire ça, puis ça, ce qui me permettrait au prochain tour d'être plutôt pas mal. Ok. Je vais. Faut que je paye 1, puis 1. Ah non, j'ai encore 2 tours. J'ai encore 2 tours. Je vais mettre ça là-dessus, je pense. Oui. Ok. Alors, je vais à ce tour-là dire. Mettre un mitrailleur pour 1. Si jamais il peut attaquer, il mettra une blessure à tous les ennemis sans défense. Ok. Ça peut t'emmerder. Je le mets évidemment devant lui, ça permet d'être tranquille. Puis, je vais... J'avais envie de faire ça, mais... Je vais casser ce punk. Donc c'est sans son blessure. D'accord. Je le mets là-dessus. En fait, je voulais renvoyer en main, mais j'ai vu que dans la règle, quand tu renvoyais un punk en main, il redevenait une carte normale, face visible. Je trouve ça trop fort. Pas trop fort. Ouais, voilà. Sinon, j'aurais renvoyé tout en main. J'avais un combo, mais voilà. Ok, donc ça m'a coûté rien pour le moment. Puis, je vais... Alors, soit je pioche une carte, ce que j'aurais dû faire avant, mais je ne comptais pas faire ça. Soit je vais résoudre l'événement et je vais te faire une blessure. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire avancer n'importe quel événement de 1. Ok. Du coup, je choisis ce que je pète. Tu choisis un truc qui va se prendre une blessure. Ok. Voilà. Et avec le mana qui me reste, comme si un événement intéresse de ce tour, je mets une blessure. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui choisis. Et je vais mettre une blessure au camp d'entraînement. Ah, bah oui. Ah oui, après, ah oui, t'as compris le principe. À toi de jouer. Je pioche une carte. Oui. Ok. Bon. Je pioche une carte. Je vais gaspiller cette carte. Ouais, pour mettre le... Pour mettre ça. Ok. On avance. Ensuite, je vais... J'ai combo de fou malade. C'est bien. Mais je pourrais jamais les faire. Pas de problème. On va voir. J'avance ça, je joue ça pour 3. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau ? Fin de tour. Parce que pour 3, j'imagine que c'est une bonne carte. Et la première fois que vous utilisez la capacité d'une carte à chaque tour, cette carte reste prête. En gros, je peux faire 2 fois. Oh, c'est fort. Et elle peut mettre une blessure à un gars. Ok, ça marche. Chacune de mes cartes peut faire sa capacité 2 fois. C'est intéressant. Voilà, il me reste rien, je réfléchis. Et maintenant, que vais-je faire ? Allez, fin de tour. J'avance de 1. Je pioche une carte. Ouais. Je réfléchis. Je vais utiliser sa capacité de recyclage pour piocher une autre carte. Ouais. Hey, parce que toi, t'es en top deck là. Je suis en top deck, ouais. En même temps, ton combo, il est fou. Hein. Enfin, le combo est pas mal parce que du coup, il va se faire tout de suite. Je vais payer 1 pour faire avancer n'importe quel événement de 1. Donc, je mets une blessure à tous tes camps. Et je pioche une carte pour chacun de mes camps détruits. Donc, ouais, mets-les devant. Je vais piocher du coup 2 cartes. Ah, je suis dans... La game va être courte. Hein. Puis, je vais regarder. Après, j'ai plus qu'un truc à défendre. Ouais, donc, je vais me mettre en mode mur. Bien devant, quoi. Ah bon, là, tu refais un guerriero. Si j'ai pas de quoi faire face, c'est fini. Hein. Ça va aller assez vite, quand même. Hein. Putain, mais j'ai un combo de fou, c'est trop dommage que j'ai pas le temps de faire les choses. Je vais ensuite... Donc ça, je l'ai payé pour 1. Ensuite, pour 1, je vais... Si un événement intéresse ce tour, je mets une blessure, donc je mets une blessure à ça. Mmh. Bon, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Mmh.
Voilà. Et enfin, pour 1, est-ce que je mets quelque chose ou pas? T'as chaté quand même, bâtard, de choper ça avec ton... Voilà. Chaté de fou. Et je mets un exterminateur ici. OK. Pour 1. Non, les ennemis. Non, détruit tous les ennemis blessés. Ah bah oui, bah cool. C'est pas un ennemi, donc ça va. Je vais pas faire ça. Je vais à la place... Vous allez voir qu'à la fin, il va refaire le play qui... Non, non, non. Je crois que je vais prendre un château d'eau. Ok. Go. Je pioche une... Oh. Je crois que j'ai pas très bien joué. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle la chatte. Ah, tu vois. Donc, je vais défausser ça. Pour redresser. Hein, voilà. Faire ça. Ah, bah, on est plutôt contents. Ok. Et ensuite, je vais... Attends, moi j'ai 3 dos là, on est d'accord. Oui. J'ai 3 dos. Alors déjà, hop. Oui. Une des difficultés de ce jeu aussi, c'est de gérer son field. Là par exemple, moi j'aimerais bien ne plus avoir cette carte. Chose que je devrais pas dire, mais c'est pour vous expliquer. Et bah, je suis obligé de faire avec. Oui. Tant qu'il ne me la détruit pas, en fait, ça me fait un petit peu chier. Bon, en même temps, tant pis, on va juste survivre. Allez, j'y vais. Je vais pas faire le mec qui joue pas ses cartes. Je vais dégager ça pour gagner un mana supplémentaire. Ouais, ouais, d'accord. Et du coup, je vais jouer ça pour 4. Alors là, tu dis, putain, 4 ! Ouais. Pour 1, détruis n'importe quel camp. Ah ouais. Enfin, je m'en occupe. Tu m'étonnes. Ok. Eh bien, ah oui, donc du coup, t'aurais voulu la protéger. Bah ouais, parce que je pense qu'elle n'ira pas jusqu'au prochain tour. Bah on va essayer de s'en occuper. Bah, je te cache pas. Bah que... surtout qu'avec elle. Ouais, tu peux le faire deux fois. Que je peux le faire deux fois. Je suis en mode. Bah, j'avoue que la combo était pas mal. Tu combos la combo, mais la je suis combo en mode. Bah, mais ça coûte ouais. 3, ça ah, bah, coûte 4. Oui. Ah, là, oui. Ah, ah, le bout du monde. C'est le bout du monde. Mais par contre, dans un mais monde. J'avoue, dans un monde, t'as des dans un monde où je suis comme ça ouais. Et où je suis en mode. Ou même juste, je suis comme ça, mais j'ai des punks là. Ouais. Je suis en mode. Bah là, je crois que j'ai gagné. Hein, ouais, je... tu peux faire deux fois. Ah ouais, non, c'est trop fort. Et en plus, j'ai ça. N'importe quel camp, détruire n'importe quel camp, c'est trop fort. Ça, c'est détruire des cartes de ton adversaire. Et ça, c'est pour un... Donc, en fait, c'est même mieux que ça. En fait, je fais... ces deux-là, elles sont insane. Je fais un, on va deux, essayer. T'as plus qu'un camp, t'as un tour pour survivre, allons-y. C'est bien de voir qu'il y a des combos, on va essayer de allez. Calmer un petit peu les choses. Voilà, bah, casse-moi la gueule. Je pioche une carte. Alors. En plus, n'importe quel camp. Gros, là, c'est simple. Je vais la faire simple. Vas-y. Techniquement, ouais. Si tu me tues pas... C'est de. Enfin, cette carte-là, maintenant, j'ai gagné au prochain tour parce que j'ai ça qui avance de 1. Mm-hmm. Ah, mais tu peux choisir. Je peux choisir. Donc ça va. Choisir. Mais sinon, il y avait un monde où j'étais en mode je détruis ça, à l'avance de 1, c'est mort, terminé. Mais, oui, c'est ça, non. Sauf que ça fait. Et, sauf que ça le fait d'abord. Ok, bon, je vais t'épargner. Ça pouvait aller très vite. Hein. Je vais t'épargner cette peine. Ouais, vas-y, casse-lui la gueule. Je vais casser la bouche avant de faire ça. Alors, dans un premier temps, je vais jouer un événement qui s'appelle la mitraillette. Oui. Porte bien son nom. Qui va te permettre de piocher, non ? Qui va, non. Qui va ah, tu le joues ? Ouais, je le joue. Je le joue, 0, et je mets une blessure à tous les ennemis sans défense. Donc ça, ça meurt, et ça, c'est tapé. Ça, ça m'a coûté ça. Comme j'ai joué un événement... Ça te coûte 1 ouais, pour faire un dégât. Ça me coûte 1, je réfléchis. À qui ? Est-ce que je prends le risque ? Bah, techniquement, là, il ne peut plus faire son pouvoir, donc t'es... Ouais. Un peu safe. Et quoi cette merde ? Détruit une des cartes de votre adversaire. Et c'est vos cartes. Okay. Il faut toujours que moi j'ai une carte en jeu. Oh, gros. Excusez-moi, mais je prends le temps de vous montrer ça. La combo exceptionnelle de ça. Ok ? C'est. Je fais l'effet. Oui. Je refais l'effet. Enfin. Ouais, ouais, voilà. Tu refais l'effet. Je refais l'effet. Et tu refais l'effet. Bien joué, terminé. Bien joué. Fin du buzz. La combo exceptionnelle de ça, elle était magnifique. Malheureusement, c'est dans un monde c'est dans un monde où ils chattent pas des cartes fumées. Voilà. C'est ça. Alors, je vais. Dit-il en présentant une combo absolument fumée. Je vais. Piocher une carte. Pas mal.
Je vais... Oh, il est déjà 45. Ouais, on va y aller. Je vais... Tu peux me tuer, ça m'arrange. Ouais, je suis pas loin, mais c'est pas évident. Il me reste un ça et un château d'eau. En fait, j'aimerais bien piocher. C'est soit je te mets une blessure comme ça, soit je peux te mettre deux aussi. Enfin, je peux te mettre une blessure sur chaque, mais du coup, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Après, ça, c'est, en vrai, c'est plutôt cool de le faire maintenant. Et en plus, ça me permet d'avoir une sorte de truc au prochain tour qui fait que c'est bien. Mais j'ai juste, c'est un peu risqué quoi, de faire ça. Vas-y, je vais faire ça. Je vais pour 1 jouer le prophète de malheur. Mmh. Et lui, il me dit, quand cette carte entre en jeu, vous pouvez faire reculer de 1 tous les événements de votre adversaire. Et en plus, si un adversaire a un événement en jeu, je mettrai une blessure. Ce sera évidemment au prochain tour. Puis, je vais... Il est où ton mana ? Bordel, ton plateau. En fait, je l'ai payé le truc de tout à l'heure. Ouais, et donc ? Bah donc, un, t'as plus de mana. Oui, mais j'ai un château d'eau. J'utilise mon château d'eau pour pouvoir faire les ceci. Ah. Un événement a été résolu ce tour-ci. Je vais mettre une blessure sur ça. Puis, je vais faire un guerrier rose. Et il me reste une carte en main. Est-ce que je la joue ou pas ? Non, à toi. Ok. Je soigne cette carte. Tu soignes, mais elle est pas prête. Pour deux, je pioche. Oui. Puis inflige un dégât. J'inflige un dégât à ça. Et du coup, il me reste un. Je prends le château d'eau. Ouais. À toi de jouer. C'est quoi ta toute première action ? C'était quoi ? Ah, t'as défaussé pour pouvoir... Ma action, c'est j'ai redressé ça. Oui, ça, t'as redressé, donc c'était gratuit. Donc... Voilà. Ok, à moi. J'avance mon guerrier house. Je pioche. Finalement, t'as bien fait de faire un truc sur ça. Alors... Alors, le plan. Ok. Je vais, dans un premier temps, mettre une blessure sur lui. Puis, je vais faire avancer de 1 n'importe quel événement. Et comme j'ai fait avancer un événement, j'ai gagné cette partie, mon cher Maxildan. Bravo, mon bon. Avec des événements. C'était propre, t'as joué un gameplay événement. On va... Je crois que tu es d'accord avec moi quand même pour dire que ça a été le... C'était bien dans ma situation. C'était très fort. Je suis d'accord. C'était très fort. Mon combo était très cool. J'ai pas pu le mettre en place. Je crois que j'aurais pu le mettre en place mieux et plus vite. Maintenant, il aurait fallu, entre guillemets, le deviner. C'est-à-dire qu'en gros, cette carte-là, je l'avais depuis le début. Ouais. Et j'ai hésité. Est-ce que je la pose ou est-ce qu'au contraire, je pose un mec puis un punk et machin. Je me suis dit, elle coûte cher. Et pour le moment, je sais pas trop ce qu'elle va m'activer. Vas-y, je fais autre chose. Et en fait, j'aurais dû la set-up. Ce qui fait que dès que j'aurais eu un truc intéressant, elle aurait été présente. En fait, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais attendre d'avoir un truc intéressant, puis je vais la poser elle, parce qu'en fait, les trucs entre crochets s'activent tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment où je l'aurais posé, tu as raison. Imagine si j'avais pu poser ça en premier, et que tu me dis « Ah ouais, c'est fort, mais bon, tranquille », ou si j'avais eu une def comme ça. Là, derrière, j'aurais fait ça, et, du coup, et là, je faisais « Bam, bam !» et t'aurais fait « Ah, relou !» Bon, j'ai peut-être pas protégé les bons trucs, j'ai accordé peut-être trop d'importance à ces trucs-là, alors qu'en fait, c'était peut-être lui qui était fort, mais en même temps, ça dépend des cartes que t'as en main. Non, franchement, c'est intéressant, c'est un bon jeu, et je trouve que c'est un jeu qui prend de la force dans le temps. C'est-à-dire oui. que plus tu y joues, plus ça, tu l'apprécies. Okay. C'est un jeu qui est frustrant, par essence, parce que t'as peu de ressources, parce que tu passes ton temps à avoir des persos que tu peux pas utiliser, donc tu passes ton temps à dire « J'aimerais faire des trucs, mais je peux rien faire ». Et en fait, on le voit quand Rov joue, lui, il a compris le truc et du coup, il s'en sort beaucoup mieux. Je crois que
il y a un temps d'apprentissage sur ce jeu pour en comprendre et profiter de tous ses bienfaits. Au départ, tu es un peu avec tes habitudes de jeu de cartes classiques et tu es là, mais ce que je fais d'habitude, ça marche pas. Ouais, c'est pas un jeu qui fonctionne comme les autres et il faut apprendre, il faut l'appréhender. Et une fois que tu l'as, tu vois, je crois que Croft prend beaucoup de plaisir à jouer parce qu'il c'est a vrai. Compris le truc. Moi, je commence à en prendre. Et c'est ma quatrième partie, je crois, ou cinquième. Ouais, et d'ailleurs, moi, en tout cas, dans ce que j'ai pu un peu comprendre du jeu, justement, les cartes à 4, 3, j'évite de les jouer, en fait. Parce que avoir Moi, j'adore ça. Évidemment. Mais en fait, très souvent, en fait, tu vas jouer une carte à 3 ou 4. Il suffit d'une blessure pour l'annihiler. Ça, faut build une défense. En fait. Et en fait, ça, il faut d'abord avoir une défense et avoir quelque chose comme ça. Ouais, c'est un jeu en fait auquel je prends plaisir à rejouer parce que, comme tu disais, la marge de progression est assez lente. Donc, c'est effectivement la première partie peut être un peu frustrante. Mais en fait, très vite, tu dis ah mais attends, mais je peux faire ci, je peux faire ça. Et à la manière d'un Magic version du coup Magic où tu as un deck et donc en fait, ces cartes-là, du coup, tu as eu ces cartes-là, mais peut-être que si on faisait une partie, bah j'aurais les tiennes et du coup, j'essaierais de m'arranger différemment. Les bases, il y a suffisamment pour faire en peu de cartes. Beaucoup de parties qui sont différentes. Là, tu vois, j'ai joué avec les événements. Je crois que c'est la première fois que je joue autant avec les événements parce que j'ai eu des bases qui me faisaient ça, parce que j'ai eu les bonnes cartes, etc. Et ça marche bien. Et voilà, donc c'est vraiment un jeu. Si vous aimez les TCG, c'est bien de le tester. Mais contrairement à Mindbug, où assez vite tu vas dire OK, d'accord, je crois vraiment qu'il y a un moyen de faire quelque chose, c'est bien de le tester plusieurs fois, peut-être avec plusieurs personnes différentes, etc. Un jeu que je conseille, Radlands. Votre partie sera dessinée par vos choix de base. Ça compte beaucoup. Et il y a plein de trucs, effectivement, comme tu le disais, qui ne sont pas forcément intuitifs quand tu joues à ce jeu-là. Notamment défausser des cartes pour faire des petits effets. Tu as l'impression que c'est pas fou. Normalement, dans un jeu, tu gardes au contraire un maximum de cartes. Là, il ne faut pas hésiter. Vous avez vu, il y a quand même peu de tours où j'avais des cartes en main. Les bases sont là. Ouais, et il y a quand même beaucoup de bases. Il y a beaucoup de bases différentes. Et des fois, il y a des bases, quand tu vas les lire pour la première fois, tu fais mais c'est nul ça. Et en fait, en fonction de comment tu joues, tout ça, c'est des bases. Ça peut être différent, tu peux avoir des petits combos à faire. Bref, un jeu que je vous conseille, Redland, si vous aimez bien les jeux de cartes, mais attention, il est assez exigeant. Exactement. Merci Rof de nous avoir présenté Radlands. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce live qui était un peu chamboulé pour ceux qui nous ont regardé en live. En vidéo, c'était normalement plutôt transparent pour vous. Pour ceux qui sont en live, à tout de suite sur Twitch. Pour ceux qui sont en VOD, n'hésitez pas à nous mettre ce que vous avez pensé de cette vidéo en dessous. Et puis on vous retrouve très vite sur YouTube ou sur Twitch. Salut tout le monde! Gros bisous! Ciao!